Bonjour, bonjour, bienvenue. Bienvenue en Console Mania. Bienvenue dans le 60e épisode de la saison A. Aujourd'hui, on continue notre cher Blade Dancer sur PSP. Et je sais plus où on en est. Je sais plus. C'est-à-dire, je sais plus du tout. Enfin, je sais plus ce qu'on doit faire. J'ai lancé le jeu, j'ai fait, mais attends, mais qu'est-ce que je fous là, moi? Donc je sais pas. Ah, peut-être. Ah, je crois, si. J'ai peut-être sauvegardé. C'est la vraie musique du jeu? Ouais, c'est la vraie musique du jeu. J'ai peut-être sauvegardé parce que il fallait arrêter le stream. Et du coup, j'ai sauvegardé à la moitié. À la moitié du chemin entre Jade et. Entre Jade et le désert. Ça doit être ça. Je pense que ça doit être ça. Parce que je voulais pas aller à la tour lunaire. Ça m'étonnerait. Oui, on avait récupéré. Ça y est, je me rappelle. On avait récupéré de l'huile sainte que l'on doit donner dans le port, je crois. Non, pas dans le port, non, au désert, et on devait, et on cherchait. Ah, et j'avais aussi tué la fée, j'avais récupéré les lunettes. Ah, ça y est, oh, ça revient, tout qui revient. Bonjour, Hilo, je serai tous, je serai toutes. Tout revient. Ça revient tellement vite. Donc, je cherche la femme aux yeux bleus, là, protégée d'un rune, ouais. Ça, je l'ai fait. Pour le télescope, il fallait casser la gueule de. Je crois que c'était à la tour lunaire. Ça, j'ai. Oui, donc il faut que j'aille dans la forêt. Pas dans la forêt. Dans. Désert. Allez. Et pourquoi, Yoichi? Qu'est-ce qui t'a surpris? Qu'est-ce que c'est de la musique ne te plaît pas? C'est ça? Elle te semble un peu trop étrange. Bah ça tombe bien, y a plus de musique quand tu sors de quand t'es dans le quand je suis dans certaines zones. Des musiques dans les villes, des musiques dans certains temples. Et dès que on est dans des forêts ou d'autres environnements comme cela, bah c'est terminé. Voilà. Hop, je lui fais non. Hop, terminé. Terminé, terminé. Mais t'as le bruit des feuilles. Et t'as le bruit du vent. Hein, quoi? Allez, go. Alors, qu'est-ce que ça se dit sur le Discord là? Attendez. Non, parce que ça, sur le Discord, c'est en train de parler de Tales of Arise. Et. Oui. Ah oui. Donc, je parle. Hop. Hop. Car je ne suis pas d'accord. Et comme je ne suis pas d'accord, je veux absolument me faire avaler mon avis aux autres. C'est mon but. C'est mon but premier dans la vie. Que tout le monde soit de mon avis. Sauf Yellow Croc. Lui, c'est pas grave. Ça me dérange pas, lui. Bon, il en est où ton chat là? Hop. Est-ce qu'il est au calme? Il est même pas 10h et je prends tarif. Non. Attends, j'ai encore rien dit de méchant là. Eh?
Mon chat est reparti chez lui. Déjà ! Tu l'as viré, je suis sûr. Je suis sûr que tu l'as viré. Je me chauffe là, c'est normal. T'as pris tarif, mais je me chauffe. Non, mais. Hop. Je suis encore frustré. Ah mais non, mais voilà, c'est pour ça que je voulais pas aller là. Bon bah on va y aller. Hein. Allez. Je voulais pas y aller, mais on va y aller quand même. Parce que on doit récupérer un objet pour une quête. Super machine. Du coup, forcément, elle repart va chez sa proprio dès qu'il a besoin. Ah bah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de bouffe. Mais ouais. Je vais dire la proprio, bon, faudrait peut-être lui dire que que le chat c'est la fête chez toi. Enfin, je sais que les Vosges c'est un peu différent, mais. Mais bon. Quand même! Alors, comment s'est passée la fin de Tortue Ninja? Pas terminé. Pas terminé, du coup, la prochaine fois. La prochaine fois! Sûr. Impossible que ça se termine pas. Bien sûr. Donc on t'attendait, bien sûr, et on t'attendra encore. Afin que tu puisses voir la fin. Sympa. On est plutôt sympa. Avec plaisir. Moi je stream pour vous, hein, je stream pas pour moi. Bien sûr. S'il fait tout gris pluvieux, bah pareil. Pareil, ce matin j'ai été réveillé par. J'ai été réveillé par un coup de téléphone à 9h pile. Pile poil. Pour mon rendez-vous chez le dentiste. Donc demain matin, pas de stream. Bon, je répéterai de toute façon demain matin, pas de stream. Peut-être demain soir, un stream, je sais pas. Qui sait? Ça m'étonnerait, mais. Mais voilà, demain dentiste. Ah, c'est. J'aurais préféré ne pas y aller, hein, mais bon. Moi, est-ce que j'ai le choix? Pas trop. C'est afro. Allez, tue! Tue seulement! PF! Donc là, on est à la recherche d'un mob spécial qui va me permettre de récupérer une lentille de télescope, je crois. Pour un perso, ça va me donner 2-3 000 XP, ainsi que du pognon. Vous savez, j'adore le pognon. Rendez-vous pour voir si tout va bien ou un souci. Un souci. Il y a 2-3 ans, j'ai eu la mauvaise surprise d'avoir une... une dent toute pas toute pétée, mais comment on dit déjà, nécrosée. Donc on a dû me dévitaliser
me mettre une couronne. J'ai passé facilement un mois et demi à aller presque une fois chaque semaine chez le dentiste. Ça s'est très bien passé, mais bon, ça n'a pas été la meilleure expérience de toute ma vie. Mais ça va, la dentiste était cool. Et là, j'ai mal à l'endroit où on m'a fait ma couronne. Et j'aimerais bien savoir ce que c'est. Parce que s'il faut faire quelque chose, autant le faire tout de suite. Ah, afin que je ne sois pas en PLS. Hop. Formé de Persona 4 ou pas trop dur. Et bonjour Fukushiman. Allez. Donc normalement ça va bien se passer. On va bien entendu tuer. Ah non, alors. Non. On va tuer le mage le plus vite possible. C'est lui qui nous intéresse le plus. Ouais. Bon, ça devrait aller, hein. C'est gentil, ça devrait aller, mais bon. Oh, puis il est zéro. Il est zéro. Oh, ça va me donner 10, ça va me donner 10 points d'XP, là, tu vas voir. Ah oui, c'est nul. Ah, mais non, mais attends, il y a un problème. Ah, mais c'est pas lui que je voulais, hein. Attends, mais c'est pas ça. Ceinture. Bracelet épée, huile sainte, lunettes de fée. Pourquoi il va un random là? J'ai pas compris. Faut que je regarde la VOD. Ça y est. Déjà j'oublie. Qu'est-ce qu'il voulait le random là? Alors il m'a donné une orbe noire, là je vois. Potion noire, orbe magique. Et ça fait quoi cette orbe magique? Nous donnerons ton âne à notre dieu, il a dit, méchant. Ouais. D'accord, et qu'est-ce qu'on en fait avec l'orbe magique là? À quoi ça sert? À quoi ça sert ton orbe magique? Orbe magique. Orbe magique. Mais on s'en fout! Bah, je m'en tabasse. C'est Noctian. Attends, il avait dit bonjour à Noctian et j'avais même pas dit bonjour. Bah ouais. Bonjour Noctian, bonjour. J'en ai rien dans la bibliothèque direct qui serait lancé. De quoi? Attends, tu vas encore jouer à 50 millions de jeux là, Afro? Ah non, hein. Oh, je vais me faire défoncer? Non. Je peux me faire défoncer là. Je vais me faire défoncer. Je vais me faire défoncer. Oh, je vais me faire défoncer. Persona, c'est trop bien. Bah, t'avais des Persona bien avant là. Pourquoi t'as attendu Persona 4 là? Qu'est-ce que c'est que ça là? Puis en plus il y a des Persona, du coup tu peux en... Fais Persona 1 là! Fais Persona 1 et demande à... Et demande à Sejouf qu'est-ce qu'il en a pensé. Clairement il va te dire meilleur jeu. Meilleur jeu.
Meilleur jeu, meilleure expérience. Meilleur tout, quoi. L'intelligence, la dextérité, tout. Tout. Le personnage, il va abandonner. Moi? Non. Bah, le seul personnage que j'ai... Si, bah, si. Le seul personnage que j'ai commencé, je l'ai abandonné. Dommage. Dommage. J'ai jamais osé la série. Coup de foudre. Hein? C'est long, hein. C'est long. Faut savoir où on va, hein. Ouais, je sais pas si je peux le faire deux fois, j'essaie quand même. Putain, patate. Trop bien. Casse-moi la gueule. Calme-le, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Aïe, 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 aïe. Ah, ah. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait très, très mal. Il a très, très mal. Alors, je suis à 87 heures sur ma partie FFG. Je suis loin d'un serrier complet. Et bah, ouais. D'accord, ouais, t'étais complètement foutu, hein. Ok, je vois. T'es complètement foutu, ouais. Après, de toute façon, si le jeu est claqué, version complète ou pas, pff, on s'en tape. Hein. Au final. Non, il n'est pas claqué. Ah bah... Enfin, je pense que j'ai vu chez... chez Sejouf, c'était... Ah, peut-être bon, claquer, c'est peut-être pas le bon terme, soit, mais ça m'a pas... On va dire que c'est un peu brut. Voilà. Si tu veux, comme ça, au moins. Pour ne pas dire claquer. Disons que c'était très brut. C'est chiant. Ça fusionne au calme. Hein. Je ne conseillerais pas Persona. Après les autres, je connais pas. À part Persona 5. Et Persona 4. Est-ce que j'ai vraiment envie de me battre là? Non. Je cherche un mage. Donnez-moi un mage. On est d'accord que c'est toujours la même tour qui est dans. Oui, parce que c'est comme les Zelda DS.
Est-ce que j'ai envie de taper ça, moi? C'est comme les Zelda DS, il y a une tour au milieu et on y va et on monte de plus en plus haut en avançant l'histoire parce que tu débloques des trucs. Ouais, ouais. Voyons, Yoichi, là, tu trolls de ouf, là. Qu'est-ce qui se passe ce matin, là? Qu'est-ce qu'il y a? Bien qu'on discute, mais bon... Bon. Alors, oui. Non, pas la vitesse. Oui. Non. Raconte-moi tout. J'ai pas encore pris mon cave. Vite, vite, va le prendre là. Vite, cours! Je vais essayer quand j'étais motivé par les RPG, bah j'ai vite laissé tomber. C'est bien, mais c'est hardcore, faut être motivé. Ah oui, oui, ça, bah, ça me choque pas, ça doit être hardcore. Ouais. Ça me choque pas que c'est hardcore. Par contre, j'ai pas envie de me battre toutes les 5 secondes, s'il vous plaît. Je cherche juste un truc. Donc donne-moi ce que je cherche, s'il te plaît, le jeu. Je vais pas... Vu que mes armes ont pris la max, j'ai pas envie de me... Voilà. J'aimerais éviter d'être dans la sauce. Merci cordialement. À partir du 3, c'est bon. Ok, donc ils sont tous en train de fusionner là-bas, là. Ah, depuis qu'on a les fusions dans le jeu, c'est devenu la fête à la saucisse. Enfin, ouais, la fête à la saucisse, oui. C'est pas fou, hein. Je sais pas si j'apprécie ce... On est passé de les ennemis sont mauvais. Ah, ah, il y a un monsieur, là. Monsieur? Monsieur? Bonjour. Ah! Ah, ça n'a rien à voir. Ah, c'est peut-être lui là, c'est peut-être lui qui a la lunette. Allez. On va voir. Est-ce que c'est lui qui a la lunette? Monsieur Lunette. Allez. Oh, trop bien. Il était zéro en attaque, en défense magique. Oui, c'est lui. C'est bon. On a la lunette. On peut se barrer. Allez, go. Oh. Oh, non, pas lui. Non, lui, il est gros, lui. Oh, quoique, on peut le faire. Allez, on le fait. Comme ça nous aura fait beaucoup de... Ça nous aura fait beaucoup d'XP. Je crois qu'on a chopé 2-3 niveaux là. Ce qui est pas mal. Ce qui est vraiment pas mal. Aïe! Au secours! Non! Ça fait mal. Ça fait très mal. Par contre, faut vraiment qu'il arrête d'attaquer comme ça, lui. Non! Oh, j'ai fait de la merde! Non, au secours!
Trop bien. Ah, toi, ouais, voilà. Bien vu. Bah, c'est bon, j'ai pas fait de la merde, toi, bien. Ça serait trop compliqué de vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait. Je vais baisser la force. C'est chiant de... Enfin, les combats sont tellement... sont tellement rapides, mine de rien, que expliquer ce que je fais en même temps que je le fais, je trouve ça limite impossible. Je n'y arrive pas. C'est ça que je trouve cool dans le jeu, les combats sont vraiment bien. Ils sont bien mieux que Persona, bien sûr. Je me sentais obligé. Non, non, t'as rien entendu, t'as pas le café encore. T'as pas pris le café là. C'est le problème de café là. Prends le café là, le café. Vite, vite, vite. Alors, hurlement, hop, hop. On va mettre un grand coup. Normalement, je devrais faire très mal. 2-3 bols, ouais. Voilà. Et avec l'âme solaire. Là, normalement, je devrais faire mal. Ah oui, quand même. C'est pas mal. J'ai bien aimé. Qu'il a 30% de défense en moins et j'ai 30% de défense d'attaque en plus. Donc si je refais la même chose. Voilà. Ça ce qu'on veut. Et là, on va faire exactement la même chose. C'est gagné. Ah là là, et moi qui pensais à l'époque quand j'ai fait mes premiers... Oui, quand j'ai fait mes premiers vrais RPG. Moi qui pensais que le buff et le debuff, ça servait à rien. Ah là là. Le mec nul. Il avait rien compris. Il n'avait rien compris au jeu. Dans les FF, ça sert à rien. Bon. Si, j'en ai fait quelques-uns quand même. Je sais plus. Allez, je te donne le bénéfice du doute parce que je me rappelle plus. Ça m'a tellement marqué. J'avoue, c'est fou, hein, je me rappelle même plus d'FF10. Enfin, je me rappelle de beaucoup de moments qui m'ont un peu dérangé dans FF10. Mais je me rappelle pas du jeu bien du jeu. C'est dommage. Tidus parle. Non mais va prendre ton café Yoichi, tu trolls trop là. Non mais là tu trolls trop là, c'est pas possible. Là c'est plus possible là. Va le prendre tout de suite là. Là tu trolls trop, je vais devoir sévir. Je vais devoir sévir et tu vas être surpris.
Allez, on sauvegarde. Fallait me demander si Coqui allait passer, mais en fait, elle est en stream, donc voilà. Du coup, bah, je vais lui demander d'arrêter son stream si elle le veut bien, afin qu'on puisse. Qu'elle puisse passer, bien sûr. Logique. Qui ne ferait pas ça? Afro, t'as une PS Vita ou pas? Je pense que je connais déjà la réponse, mais on sait jamais. Ouais, elle peut se mettre une petite heure de pause là, quand même. Enfin, faire des efforts, quoi. Logique. Moi, je l'aurais fait à ta place, hein, bien sûr. Donc là, on va retourner au. C'est Nîmes. Nîmes, je serai disponible cet après-midi. Mon rendez-vous, c'est demain. Donc demain matin, je ne stream pas. Mais pour eux. Mais pas pour une fois. Mais demain matin, pas de stream. Parlons-en. Eh bien, go. J'en ai deux, mais plus fonctionnels. Pourquoi plus fonctionnel? Qu'est-ce qui se passe? Intermarché, tu l'as mise à l'envers, ouais. En gros, ils t'ont annulé ta. Demain, dentiste, ouais. 11h30. 11h30, 11h30. Pas de console, mais. Mais. Ah non, donc c'est pas là. Je viens d'en avoir une sur Cdiscount. Oui, mais attends, pas de console. C'est-à-dire que le jour où normalement t'allais la prendre, ils t'ont dit, ah bah finalement il n'a plus, lol. On croisera nos dents? Ouais, non. Bah si tu les croises, si tu les croises, tu vas devoir aller chez le dentiste, hein. À quelle heure mon rendez-vous? 11h30. Le matin. Ouais, elle penserait fort à moi, mais elle va pas me faire grand-chose, ça va. J'ai bizarrement pas très peur. On voit bien où je veux aller là? Je sais plus. Ouais, ou tout à l'heure. Ouais. Et j'imagine que pas tous les Intermarchés font du jeu vidéo. Parce que l'Intermarché près de chez moi, il fait pas de jeu vidéo. Enfin, il a pas de pôle jeu vidéo. Donc ça doit différer. Ah, ça doit pas être la même chose. Clairière des fées. Si on l'a, on va vers le. On va vers le port. Et vers le port. Bah, je crois que j'ai presque la recette pour faire la flûte à dragon là. J'ai tué le serpent et il me manquait autre truc. Ah, faut que je regarde. La flûte. Flûte. Ah, oula. Croc mystique et os mystique. Ah, mais faut taper des dragons. Bien sûr. Ah, il y a des racines. Pas de sève. Pas de sève, elle est pas là. On disparu. Sève a disparu. Des crocs monstrueux. Alors, est-ce que j'ai des crocs monstrueux qui traînent? Là, j'en ai. PO? Oh, c'est bien ça!
Alors, il faut lui emmener, mais je me demande combien il faut lui en donner. Quoique 300 PO, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Hop. Ce genre d'enseigne utilise un service décentralisé que gère le tout. Oui. T'as encore tapé un dino, toi? Oui! Ah, hier, des dinos, on en a tapé, hein. Oh là là. Mais c'était des dinos moches! Hop. Ah, ceux-là, ils étaient vraiment pas ouf, hein. Ils étaient pas beaux. Moi, c'est un dino quand même. Il a un petit cœur de dino. Ouais. Oui, donc. Faut que j'aille les lettres. Les lettres. J'ai combien de pognon? Oh, j'ai 27 000! Oh mon dieu, je suis riche. Bah go hein. Genre je suis riche. Alors, on va pouvoir faire en sorte que notre chère Félice soit niveau 30. Donc bracelet. Bracelet, anneau, armure. À partir de bracelet. Hop. 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 Allez. Toute nue madame. Désolé. Artisanat, équipement. Ma sortie, vous êtes sûr que c'était pas écrit refusé? Si, si, elle m'a dit que c'était remboursé. Ok. Mais yes. Trop bien. Oui, vendre. Donc, on va faire truc chiant, je suis vraiment désolé. Pas de choix. Je peux rien y faire. Menuing. Obligatoire. Menuing obligatoire. Parce que c'est super intéressant le menuing. Heureusement que tu stream pas le jeudi finalement. Anime. On a Didi. Je crois que c'était les 4 derniers. Donc jambière. Armure. Anneau. Ah, je sais plus. On va lui donner ça, on va voir. Et il y a bracelet. Bracelet, il faut vendre les jambières. Non, pas toi, je m'en fous. Casse-toi! Cheville de soie. Pourquoi je peux pas vendre les chevilles de soie là? Cheville, 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 pas cheville. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je croyais que c'était pour une PS5. Non mais je pense que Yuichi, je pense qu'il veut juste me... Il a dit qu'il avait pas pris de café, mais en fait il troll. Du coup, là, j'attends le moment fatidique.
Armure, anneau. Bracelet. Quand il sera dos au mur. Et que je vais glisser. Que mon doigt va glisser. Il attend ce moment fatidique. Je le sais, il le sait. Marchand d'armes, oui. Ah, mais ça coûte trop cher. Et bim, ouais. Il s'en fout. Donc on va essayer de voir si on peut aller récupérer les lettres et après on se barre. Il dort le jour, je suis calé là, d'ailleurs je me suis levé à 3h du mat. Eh, presque. Presque Axiran, parfait. Bah j'espère que tu vas pas trop calé hein. C'est une bonne avancée. C'est lui. Vous avez livré toutes les lettres, merci pour votre aide. Yes. J'ai pas fait ça pour rien. Bah non, là, je fais plus rien. Bah, 3h du matin, c'est... Non. Non, même pas. De toute façon, dans 4 jours, ça sera 7... Oui, bah, oui. Bah, du coup... bah, encore mieux... Enfin... Hein? Bah, du coup, faux? Non? Je comprends pas, là. Alors, équiper... Gozen. Ouais, on va lui donner son truc. Et on va aller vendre des armes. En espérant que j'arrive à... Pourquoi j'ai encore ça, mais je sais pas. Non, j'ai poussé hier pour me coucher à une horaire raisonnable. Maintenant, c'est ok. Okay. Bon. Écoute, hein, tu dois mieux savoir. Hein. Y a pas des trucs que je peux vendre là pour acheter la. C'est Eltes, je sais plus. Oui, c'est Eltes. Non, c'est pas elle. C'est Eltes ou pas? Non, c'est Félix. C'est Eltes. Oui. Elle, c'est Tess. Je sais plus. Oui, c'est Tess. C'est Steamman, bonjour. Ouf, c'est Tess, c'est bon. Arc de guerre, oui. C'est bon, le menuing est terminé. On va pas se barrer. Parfait, on se barre. Et maintenant, après se barrer, on va on va dans le désert. Je reste pas éveillé, sinon j'accélère le décalage inévitable de toute façon. Moi, j'ai abandonné le fait de savoir. Oui, t'abandonnes beaucoup de choses, François. Tiens, c'est quoi ça? Oui, c'est les racines. Sache que ça me fait bien peur. On a envie de canner, ouais. Espérons que t'abandonnes pas tout. Ce serait sympa. Je connais... on connaît quelqu'un qui a abandonné tout. Les bips, tout. Il a tellement bien abandonné que, bah, disparu. Donc, fais gaffe, hein. Ce serait dommage quand même que tu disparaisses. Eh. Oh. Eh. Je dors une heure plus tard par jour environ. Mais parfois, quand c'est un peu chiant, genre je commence à me lever dans la soirée, bah, je fais une nuit blanche pour retourner une oreille. Ouais, ok, ça je l'ai.
Soit se décaler pour se recaler, ouais. Et tiens, ça en est où, Frozen, de ton de ta truc de ah de ton CV librairie là? Tu vas faire quelque chose aujourd'hui, hein? C'est aujourd'hui que tu vas faire quelque chose, hein? On est d'accord, hein? Hein? C'est aujourd'hui? Donc là, faut que je parte dans quel sens? Je ne sais plus. Non, faut que j'aille dans l'autre sens complètement. Petite pression. Bah non, question! Question, question, question! Pas pression, question! Tiens, Bah voyons, chichi. Oh! Je crois qu'il a abandonné son clavier. Pas sûr, hein, mais. Bah, j'ai fait mon CV il y a pas mal de temps. J'ai fait une formation sur les candidatures spontanées il y a 2 jours. Ouais, ok, ouais. T'as fait une formation sur les candidats, c'est-à-dire? Oh, ça m'intéresse là. Genre, qu'est-ce qu'on t'a appris? Soyez spontané. Yes. Allez. Loup bien vénère, on va voir si on tient. Alors, hop. Ouais, tu es très spontané ce matin, c'est vrai. C'est vrai. Je confirme. Je confirme ta spontanéité, ouais. Zéro. 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 Ah! Mince, j'ai consommé. J'aurais pas dû. Voilà. Vas-y. Félicia, elle va le terminer. Et bam, sur le nez. Ah non, même pas la truffe! Sur la truffe, allez! Tue! Merci. Alors, ouais, donc, qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, tu te. Soyez spontané, ouais. Tu te ramènes devant les mecs, tu demandes s'ils embauchent et tu leur files leur. Oui, je pense que ça doit être ça, ouais. Du coup, je suis en l'heure, je les écoute. Bah, pas de soucis, hein, comme machine, t'as pas. T'inquiète pas, tu n'es pas obligé de parler toutes les 5 minutes. Tu peux aussi suivre le stream juste comme ça. Personne ne te dira rien, surtout moi, je ne te dirai rien. Je vais bien notre monde comment faire une meilleure utilisation de ton temps pour regarder les annonces en ligne. Ouais! Bah, moi, je peux vous donner un. Je peux vous faire une petite formation pour. Une formation sur comment augmenter ta productivité. J'ai des techniques infaillibles. Infaillibles, mes techniques. Alors, en gros, on m'a filé des outils pour que ça soit plus simple à démarcher pour moi. Marché ouvert 30%, marché caché 70% des emplois. Attends, quoi? Ah, pardon, j'ai squeezé un message. Repérer les entreprises qui pourraient t'intéresser, me les cibler, savoir ce qu'elles veulent ou les contacter. Tu m'as. Oh là là, je te dis plus rien. Oui, je t'abandonne là, ça y est.
Voilà. Arrêtez de rien branler. Non, 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 non. Des conseils de fou. Après avoir étudié Célia pendant 7 ans, je peux vous donner des conseils de fou pour la productivité. Hein. Mais c'est-à-dire là, bah vas-y, donne un exemple à Frozen, parce que là, t'as donné juste les limites rapidement le synopsis. Ça veut tout dire et rien dire là. C'est quoi ces outils Ça y est. Ah, je suis tellement intéressé. Oui, une candidature spontanée, une boîte qui me semblait cool en mode hey, elle avait pas besoin du monde. Bah oui. Oui, c'est. Mais en fait, ça me surprend là ce qu'on lui a, enfin, qu'il y ait une formation pour faire des candidatures spontanées, parce que bah, de par le côté spontané de la chose, généralement, enfin, je sais pas si je fais une candidature spontanée, personnellement, je réfléchis pas trop à est-ce que cette entreprise va avoir des besoins ou non. C'est fait exprès pour que ça soit, je sais pas. Alors c'est pour ça, vu que je comprends pas trop la chose, peut-être que. En nous l'expliquant, ça va être. Je vais me dire, bah ouais, logique. Logique. Allez, vite, 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 vite. Je pourrais peut-être me faire un petit ennemi là, juste pour me dire un petit niveau. Allez, un petit niveau, fait plaisir. Petit niveau. Oh, qu'est-ce qu'il fait là? Calme-toi bien, ouais. Se mettre en avant dans une candidature spontanée quand justement on répond pas à une demande. Ah bah oui, peut-être que c'est quelque chose comme ça. Ce qui serait pas, ce qui serait loin d'être bête. Réduire la enfin, diminuer la défense. Vas-y, démonte-lui sa gueule. Oui, bien sûr, Fro, ouais. C'est pour ça, depuis, je suis chez moi. C'est ce que t'allais dire, Fro. Ah oui, ça fait quelques dégâts quand même, ça. Hey, 600 PV, ça fait le café? Petit café là. Alors, Nemo par exemple. Ça te rappelle quelles sont les entreprises que tu as démarchées? Savoir que quand tu leur envoyais un rappel, un processus. Oui, non, mais attends, mais ça, t'as pas besoin d'une formation pour ça. Mais je suis en arrêt, pas au chômage. Oui, non, mais c'était pour la blague, en fait. Ça concernait pas obligatoirement que toi, hein, front, t'inquiète pas. L'humour! Je suis peut-être pas très bon en humour. Parce que là, on dirait que c'est des.
Tiens, Rihanna, montre-moi tes yeux. Ah, t'as pas les yeux bleus, toi. Non, mais parce que si c'est une formation pour dire, bah écoute, lave-toi bien les dents le matin, le midi et le soir, parce que sinon tu vas chez l'échelle dentiste et ça va te coûter cher, bon. Bon, tu vois ce que je veux dire? Alors, les lunettes de fée, je suis enfin capable de chanter. Ouais, laissez-moi vous remercier d'avoir trouvé les lunettes de fée. 3000 PO! 3000. De quoi, n'est-ce pas? Oh! Faut laisser. Mais non, mais des abcès! Ah, mais t'es marrante, toi aussi! Si tu savais, mes dents, comme je faisais gaffe. C'est mes dents qui veulent. Peut-être que mes dents aiment bien mes dentistes, j'en sais rien, moi. Putain. Très bien. Voilà, maintenant ils s'aiment. Trop bien. Tu devrais revenir à notre mariage. Bien sûr, bah avec plaisir. Elle doit être contente, elle est contente. Ça me moque. Oui. Parfait. Très bien. Est-ce que lui il est complètement fou encore? D'accord, trop bien. Oui, il est pas. Je vais lancer dans une formation. Comment bien suivre une formation? N'hésitez pas à me contacter par MP, bah oui. Qui propose des formations en vrai tout le monde n'a pas forcément les bons réflexes ou outils pour trouver un boulot. Oui. Alors, je suis assez d'accord avec toi, Chichi. Je suis assez d'accord. Cependant. Imagine, on t'oblige de faire une formation pour créer ton CV pour la 72e fois. Et que cette formation est obligatoire et que tu ne peux rien faire et que tu es obligé de la suivre. Imagine, hein, ça m'est jamais arrivé, hein, mais imagine. T'imagines bien, là? Non, parce que moi, j'imagine vachement bien. Parce que j'ai la flemme d'aller faire des vrais trucs d'adulte, genre ranger ma chambre. Ah, donc tu trolls. Ah bah bravo. Ça veut pas ranger sa chambre, donc ça troll sur ma gueule. Bah yes. Par contre, je suis d'accord, faut que ça pas que ça soit obligatoire. Bah non. Non, parce que... je crois que mon CV, je l'ai refait 4 fois. Et à chaque fois que je l'ai refait, chaque fois qu'il y avait une nouvelle personne qui regardait le CV, elle fait « Mais ça va pas, ça. Y a rien qui va dans ce CV. » Au final, on en a fait 4 différents. Et... Voilà, trop bien. Ça avait rien. Au final, ce qui est drôle, c'est que... c'est que la première fois que j'ai été engagé, j'ai fait une candidature spontanée, j'ai voulu balancer mon CV, et la personne qui devait lire mon CV, il m'a fait « Non, non, mais moi, je prends pas ça, moi. Pas de CV. Tu viens et tu viens faire un test. » C'est drôle au final d'avoir fait un CV pour que le mec il dise non mais moi je rate pas ça. Bon après ça devait être comment dire, ça doit être rare quand même. Oui non mais c'est bon, j'ai l'huile sainte. Petit carton d'affaires qui est très chez mon père, ça me déprime. Ah. Bah faut ranger là, coupe le stream. Hop. Soit tu coupes le stream, soit toutes les 5 minutes je vais être en mode les cartons. Oui, grâce à vous le feu sacré. Oui. Je veux que vous preniez ceci. Bracelet terre. Attends, tu m'as fait faire l'aller-retour pour un bracelet? Niveau 40. Ça a sorti mes études, on m'a toujours dit qu'il était complet et joli, mais on s'en... Bah voilà. Peut-être que le mien est dégueulasse. Hein. Qui sait?
dans un coin et te... Ouais. Ouais, bah vas-y, ouais. Bah peut-être, hein, qui sait. En tout cas, Frozen, ta formation, alors je sais pas si c'est parce que t'as mal expliqué la chose, mais bon. Je sais pas si... moi je sais faire du pipeau si tu veux. Alors je vais acheter une épée. Parce que là mon épée elle est pas où. Enfin elle, ouais. Elle va péter. Et on va aller taper un dragon pour voir. Prouve-le, fais péter le pipeau. Oui, c'est une image. Non mais je sais très bien faire un peu du pipeau. Autrement, ça qui est ouf. Non mais c'est vrai, mais attends, mais fin, cette histoire là de candidature spontanée au final, enfin je sais pas. Enfin la manière dont tu dis, on dirait que ça te ralentit dans tes recherches pour t'expliquer comment faire des recherches au final. Parce que j'ai du mal à comprendre. Alors à moins que t'aies pas confiance en toi, mais on sait très bien, Frozen, que t'as extrêmement confiance en toi. Bien sûr. Hein? Ah bon? Oh non! Ça me surprend. Je m'y attendais pas. Pour être beau et pas pertinent. Oui, bien sûr. Oui, le CV, après, ça dépend pour quelle offre tu... Mais après, dans mon CV, par exemple, j'ai pas mis que j'avais eu le brevet, quoi. Voilà. Alors que, tiens. J'en suis sûr qu'il y a marqué que t'as eu le brevet, Frozen. Allez, dis-le. Bah alors pourquoi tu me dis ça? Parce que c'est du troll? Oh là là, ça y est. Oula! Ah mais là, voilà, je suis dans la zone de feu! Eh ben voilà! C'est facile la zone de feu. Ça y est, je suis arrivé au point de... Je suis arrivé là où elle est arrivée... Ton cher Coquille. Donc là, on va être bloqué apparemment. Ah mais en fait, on va pas être bloqué parce que Coquille, elle m'a dit... Ah mais voilà. Mais je peux pas le taper, du coup, vu qu'il est en l'air. Ah si. Hop. Tiens, je me demande si un dragon de feu, si tu balances de l'eau dessus, qu'est-ce que ça fait? Essayons. Mais c'est nul. Ça sert à quoi d'avoir des sorts de magie si ça fait rien? Je suis deg. Alors... Paf. Trop bien. Non mais là, le coup de la forme... Enfin, si, oui, non mais oui. Non mais en fait, c'était pas pour la même chose. En fait, ça s'est télescopé. Et je te visais pas toi, obligatoirement. Frozen, quand j'ai dit pas confiance en toi. J'ai même... En fait, sur le...
Sur le coup, c'était pas pour toi. Mais oui, c'est vrai que ça te... Oui, bah ça te... Oui. Oui. Donc on pourrait croire que c'était fait exprès, alors que non. En fait, je répondais, je crois, à Fukushiman ou Shishi. Gratos un peu la zone. Alors en fait elle est gratos pour une raison assez voilà. Je pense que je suis un peu trop au niveau. Voilà. Et là il me faut des crocs mystiques. Donc je vais taper des dragons jusqu'à avoir un croc mystique. Et au final, juste pour dire, Koki, en fait, pourquoi elle avance pas, c'est juste parce qu'elle avait pas lu. Voilà. Peut-être Axeran t'avait oublié, mais c'est juste parce qu'elle a pas lu. Si seulement elle avait lu, elle serait arrivée, hein. Elle aurait pu avancer dans le jeu. Voilà. Après, je vais pas dire, oh, c'est nul, t'as pas lu. Après, le problème, c'est qu'elle était hors live. Donc, quand t'es en live, je dis pas, allez. Tu vois. Ça se comprend. Tu peux rater des trucs. Mais là, elle était pas en live. Il n'y a pas un souci de difficulté en plus de la quête oubliée. Non mais c'est le côté difficile c'était tout le temps. Si j'ai bien compris. C'était pas que... Par moins que j'ai mal compris. J'ai pas l'impression. Soutien, soin. Est-ce que je vais me faire défoncer là? Juste par un grand hasard. Parce que si tu pourrais éviter de me défoncer, ce serait sympa. Merci. Cordialement. Voilà. Ouf. Tu peux me donner un croc mystique? S'il vous plaît. Un os mystique, parfait. Donc maintenant il me manque un croc. Et ça sera bien. Et l'espace bully frozen, si tu sens que c'est utile, c'est tout ce qui compte. Oui, mais alors après, alors attends. Alors attends, mon cher Shishi, je suis très... Je ne suis pas pour... Je ne suis pas pour bully gratuitement Frozen. Loin de là. J'espère que toutes les petites tauntes qu'on balance, j'espère qu'il les prend pas au sérieux. Et dans ce cas-là, s'il les prend au sérieux, c'est ma faute. Enfin, c'est ma faute. Ça fait chier, quoi. Donc c'est que c'est méchant. Enfin, c'est dommage, plutôt. Et en plus, c'est méchant. Donc c'est de la merde. Cependant, parce qu'il y a un mais. T'imagines bien, il cherche un max. D'une, il cherche un max, et de deux, il se complaît énormément quand monsieur parle de lui-même. Limite, il en fait une. Comment on appelle ça? Il en fait un point positif, tu vois. Enfin, un point positif. Il met en avant ça, quoi. Donc, autant... hein? Je veux bien...
gagner la défense, ouais. Je veux bien dire, bon, ok, j'ai abusé, mais bon. Il y en a un qui a cherché, quoi. Tu te complais trop? Arrête. Voilà. Parfait, merci. Tu trouves vraiment bien les mots, hein, Fukushiman. Ouais. CF, l'histoire de la rame. Oui. Ah bah non non, si tu ranges pas, pas d'histoire de RAM. Alors là, que dalle. Bon, faut des chromistiques. Pourquoi j'ai pas des chromistiques? Give me chromistiques. D'accord. Bah elle range, elle a dit. Non mais il faudrait que ça soit tout rangé pour que je le raconte. Parce que là maintenant, alors attendez, parce que la question qu'on va lui poser à Frozen, parce que là il dit qu'il est ronflex, il est content, machin tout ça, voilà. C'est que maintenant que t'as fait ta formation, machin tout ça, c'est quand que tu vas à la librairie et pourquoi, enfin qu'est-ce que t'avais dit vis-à-vis de la librairie déjà? Juste vite fait, hein. Et Kirst, je veux aller directement dire bonjour à Cookie, mais la liste de suivi, c'est le seul lien de stream que j'arrive pas à cliquer. Quelqu'un peut lui dire bonjour pour moi? Bien sûr! Bah go! Vite! Axeran! Est-ce que tu pourrais... Stop! T'as essayé en navigation privée? Dans le doute. Moi, je dis pas que ça marche, hein. J'ai la motive contrairement à d'autres. Voilà, bravo! Félicitations. Je suis en train de me buffer sur ça, le gueux. Il va prendre la max, lui. Ça va lui faire tout drôle. Ça va lui faire tout drôle, hein. C'est... J'ai dit ça, moi. Là, je connais un que ça a fait tout drôle. Hein. Elle fait pas attention au bonjour, elle est en pleine réflexion. Ah, bah désolé, Belzoun, elle t'agoste. C'est pas facile à accepter, mais bon. C'est pas contre toi, hein. Bien sûr.
C'est à cause de Baphomet, ça, bah ouais. Non mais ça marche pas, il dit. Paf. Mais ça me fait ça parfois, hein. j'ai des lives qui... J'ai des lives parfois, ils font ça. Oh, trop bien. Trop fort, Félix. Oula, non, non, pas souffle Pyro, pas souffle Pyro, pas souffle Pyro. Parce que s'il fait, il me fait un autre souffle Pyro, je meurs. Pas je meurs, je suis vraiment dans la sauce. Hop. Je sais pas, je parle de flemme et d'anxiété et la fatigue. Après Frozen, j'imagine que tu es suivi pour ça, vu comment tu présentes les choses. Et si oui, le côté abandon, bah c'est peut-être pas une bonne idée de jouer dessus. Et sinon, bah c'est pareil. En fait, ça en fera jamais une force, le fait que t'abandonnes, même si ça te, si ça te définit. Hop. Puis en plus, tu le dis à nous, dans le sens où nous, on a le. Enfin, on se connaît pas en privé. Et dans un sens, ça me manque un peu pire. Le fait de la. Enfin, la seule chose que l'on sait de toi, c'est le côté abandon. Non, c'est pas fou. Enfin, je trouve que ça t'aide pas. Moi. Oh, oh là, faut partir. D'accord, j'ai pas vu. Non mais j'avais pas vu. Madame, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Oh, il m'a mis 150 là, ça m'a calmé. Ouf. Calvé, bien vénère. Bon, je suis à toi. Dès que j'avance, là je suis à toi. Au moins tu es ce dragon. Je peux me donner 10% de vitesse en plus. Oui. Oui.
Allez, allez, on se grouille. Allez, hop, 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 hop. On tape, c'est Greg. Oh, 527, très bien. Back, hein. Non mais le côté abandon Frozen, on sait pas si c'est un bonhomme. C'est juste la manière dont on parle, hein. Mais j'en sais rien moi si t'as abandonné. Hein. Et dans un sens, quand le stream il est coupé, j'en fais rien. Mais j'ai pas la... j'ai pas... Oui bon, si t'as juste abandonné FF14, ça va, c'est pas trop trop grave. Os mystique. Il me faut un... Ah, j'ai un chro mystique. Bah c'est bon en fait. C'est gagné. Non. Non, il me faut un autre truc, je crois. Je crois que c'est pas un chro mystique qu'il me faut. Oh, flûte. Ah mais c'est ça. Bah voilà, c'est bon. Et bah go. Et là, le rat. Et je casse tout. C'est bon. Bah yes. J'ai ma flûte de dragon. Je suis plus loin que Koki. Voilà, c'est bon. Bah moi j'ai terminé le jeu. Ça y est. Bah pour moi le jeu est terminé. Allez hop. Oh t'as la maison. J'ai Girafale. Il dure combien de temps le jeu en vrai? Normalement il dure 30 heures. Mais tu vas bien voir que ça c'est encore mytho. Mais c'est parce qu'il y a 3 personnes sur Along to Beat qui l'ont fait. Donc bah, ces personnes là, si ça se trouve, c'est des gros joueurs d'RPG. Ils ont avancé comme Koki à la tête la première. Et moi bah, j'aime bien me balader, j'aime bien faire des missions secondaires. Bah, je suis en live donc ça dure, ça prend encore un peu plus de temps. Le fait que je plaisante dessus sonne aussi enfin, assez pour me dire que je gère un minimum. Ouais mais en fait le truc je trouve que c'est là où tu te rends que tu te rends peut-être pas assez compte, c'est que je trouve Frozen que sans même te connaître et sans savoir qu'est-ce que tu fais dans ta vie, je me rends compte assez facilement que ce n'est pas que de la plaisanterie, la manière dont tu parles de ton abandon, le fait que tu n'es pas confiance, machin, tout ça. Et le côté... J'ai l'impression, hein, le côté humour de la chose, ben ça transpire autre chose que juste le rire. D'où le fait que je trouve que ça t'aide pas trop. Ah non, j'ai que 20 heures de jeu. Ah, j'ai que 20 heures de jeu. Surpris. Alors on va essayer d'utiliser la flûte là. Trop bien. Faut pas utiliser la flûte. C'était sûr. Je sais pas s'il faut que j'aille voir Scotch là. J'ai une flemme d'aller voir l'autre. Hein. Oh, une flemme d'aller refaire le chemin inverse.
Avancer comme coquille reste de devenir une expression du lard. Non. Après, coquille, là. Alors, pour, juste pour expliquer ce qui s'est passé avec coquille, je vais couper le son. Je vais mettre le son très bas pour juste expliquer ce qui est arrivé avec coquille. Et vous allez voir que je trouve ça tellement logique que j'aurais pu 100% tomber dedans. Et du coup, c'est pas sa faute. Elle a joué le jeu. Elle a joué le jeu. Elle a joué au jeu il y a un an et demi. Elle a commencé le jeu, elle a fait une quinzaine d'heures. Arrivée à une quinzaine d'heures de jeu, il y a un PNJ qui lui a donné une recette afin d'avancer dans l'intrigue. Cette recette, c'est la flûte à dragon. Et ce PNJ te répète une fois ce qu'il faut faire. Si après tu lui reparles, il te donne des informations, mais ces informations sont très parcellaires et ça t'aide pas à avancer. Surtout que elle a joué il y a un an et demi, et quand elle a rejoué aujourd'hui, aujourd'hui dans les semaines avant mon démarrage du jeu, elle savait pas quoi faire. Donc elle m'a dit qu'elle était bloquée et qu'il y avait un truc difficile qu'elle avait pas réussi à faire, tout ça. Et c'est juste que comme elle m'a dit qu'elle était bloquée et que c'était difficile, moi, j'ai pris le jeu très au sérieux et j'ai limite tout marqué ce qu'il me disait pour être sûr de bien y arriver. Donc, j'ai fait plus gaffe qu'elle et encore plus parce qu'elle m'a prévenu. J'ai trouvé et j'ai trouvé parce que elle m'a dit de faire attention. Donc, au final, moi, je peux comprendre. Ce n'est pas sa faute. Manque de confiance en moi, ça c'est terrible, je vais voir avec mes deux responsables. Oui, de toute façon, j'imagine que ça, on va bosser dessus. Hein. Ça, c'est aucun doute là-dessus. Hein. Mais moi, ça me dérange pas de blaguer avec toi sur la RAM, des choses comme ça. Mais bon, dans l'idée, disons que ça me dérangerait pas de me moquer de quelqu'un. Gentiment, bien sûr, et encore je me dis moquer, de taquiner, parce que moquer c'est pas gentil, de taquiner une personne avec qui, bon, je sais que il n'y aura pas de problème, elle va pas mal le... C'est pas qu'elle va pas mal le prendre, mais elle est assez forte mentalement pour que ça lui passe au-dessus de la tête. Mais disons que, avec toi, parfois, j'ai l'impression que non. Après, je dis que c'est une impression, on se connaît pas en privé, hein. Si ça se trouve, tu vas me dire non, mais Sapin, ça va, tu t'en fais trop. Et c'est pour ça, je sais pas. C'est toi qui sais mieux que moi. Voilà. Et bonjour, Aurel. Bienvenue. Toujours dans la taquinerie, jamais dans la moquerie. Oui. Exactement. Allez. On équipe. Non, on équipe. J'ai pas regardé ma formation. Oh, on est bien. J'ai pas regardé également. Y a un truc dans le manuel que j'ai pas regardé. C'est. Donc Blade Dancer, Lineage of Light, Manual. Alors pourquoi je cherche le Manual? C'est parce que il y avait dans le manuel une information vis-à-vis du personnage que j'utilise. Quand je démarre un combat. Ah, non, pas le personnage que j'utilise. Le personnage que l'on voit quand je me déplace. Donc là, c'est Lance. Mais si je joue Gozen, j'ai des buffs spéciaux. Et les autres également. Il se passe peut-être pas des buffs, mais il se passe des trucs. Je veux cette information. Je l'avais eu, cette info. Rappelez-vous, j'avais même dit... Oh, on n'a plus besoin de... J'avais trouvé le manuel et pour rigoler, j'avais dit que j'avais plus besoin de coquilles. Elle avait fait un clip et tout en plus. J'adore les morts. Tout ça.
Et bien sûr, je trouve plus. J'étais plutôt content de moi lors de la licence, car je m'améliorais sur l'oral et je me sentais un peu mieux au fur et à mesure. La première année de master, je devais présenter les travaux que j'avais faits et j'ai fait un S vagal, pas d'inconscience dû au stress. Oui, non, mais après, je dis pas, hein. Je dis pas que... Enfin, oui. Après, tu sais, Frozen, tiens... Tu dois le savoir, j'en ai déjà parlé, mais j'en reparle parce que j'ai pas honte ou quoi que ce soit, parce que c'est juste la vérité. Et c'est comme ça, ouais, beaucoup de choses dans ma vie qui m'ont empêché. Enfin, il y a beaucoup de choses. Faut pas abuser. Mais si aujourd'hui je suis streamer, c'est aussi parce que j'ai pas su gérer certaines de mes angoisses il y a maintenant 10 ans de cela. Et ça a fait que j'ai commencé à travailler chez moi à cause de soucis vis-à-vis de mon agoraphobie. Et là aujourd'hui je fais ça, mais enfin je suis content d'être streamer et j'ai été content également d'être pigiste. Mais c'est pas parce que il s'est passé un truc mauvais. J'ai essayé plutôt, parce que j'ai toujours, ça fait un peu comme si je m'étais battu à chaque seconde, non, mais... Je vais essayer de m'en sortir, et de pas me faire bouffer par mes problèmes, quoi. Donc là, j'aurai plus le chat, hein, mais parce que je cherche le manuel. Mais je l'ai vu, ce manuel, je l'ai vu. Je l'ai touché du doigt. Je l'ai touché. Non, mais bon. Même si tu prends pas mal quelque chose... Touché. En plus, le pire, c'est que je comprends pas pourquoi je l'ai jeté, le manuel. Pourquoi j'ai jeté le manuel? Qu'est-ce que... Ah, je crois que j'ai trouvé. Oh là là, je crois que j'ai trouvé. Bad Dancer. In the Age of Light. Et là, j'ai juste à le télécharger. PDF. Non, Blade Dancer, PDF. Ah, c'est parce que je l'avais pas sauvegardé la dernière fois. Ah ah! Désolé, ça prend plus de temps, mais c'est pas grave, vous allez voir le manuel, vous allez vous dire, mais c'est trop fou! Et je vais dire, mais oui! Ça y est, go. Regardez, j'ai le manuel, ouais! Ouais, enfin, ça charge, ça télécharge. Ouais, il est là. Magnifique. Magnifique. C'est pas à chanter. Tu vois, quand j'étais en première année de DUT, j'aurais pu arrêter au lieu de me lancer un dessin du temps. J'aurais abandonné et j'aurais eu l'image. Des trucs fous. Ah bah oui, t'as l'air, oui. Bah finalement, tu vois, c'est bien de ranger. Après, Frozen, t'es pas obligé de me prouver que t'abandonnes pas. Hein. Dans l'idée, moi, je t'ai juste dit ce qui me... Enfin, pas ce qui me dérangeait, mais ce qui me semblait un peu étrange. Après, j'ai aucun doute du... vis-à-vis du fait que... Que...
que ben tu fais ce que tu peux quoi. Je viens de lire un truc là. Quand on se met derrière, en fait, on prend pas moins de coups. On augmente juste la précision, mais ma vitesse ben, diminue. Donc en fait, c'est pas fou. Toutefois, tu te fais moins toucher. Mais donc c'est pas illogique, mais quand même. Bon. Alors, c'est ce que je cherche, ça là, c'est ça que je cherche. Monster Harless agressive, increase power. Tendrop decrease, ok. Tendrop rate increase, and inner power automatically increase. Bon, on va mettre Tess. On va te Tess. Je te Tess. Teste-toi, ouais. Alors, comment faut changer déjà? Hop. Allez, on joue Tess. J'adore jouer les petites filles qui ont 1000 ans. Enfin, j'adore jouer les dragons millénaires qui ont 12 ans. Voilà. Ça fait plaisir. Enfin, c'est pas un dragon millénaire, c'est une feuille millénaire. Voilà. Quelle belle feuille. Enfin, quelle belle fleur, pardon, pas une feuille. Au secours. Du coup, j'ai fait toutes les missions. D'accord. Les yeux bleus. Protéger Rem, ouais. Les chromistiques. Les matériaux pour le télescope, c'est à Jade, ouais. Ah, j'ai pas fait ça, d'accord. C'est qui? Oui, bah, désolé, hein, les dragons millénaires, ça malheureusement. Allez, on avance. Donc là, on va aller plus loin que Koki. Voilà. Là, vous pouvez bien sûr, Velzoun, si tu es sur le live de Koki, tu peux lui dire, hein. Ah, tu peux lui dire, sapin est meilleur que toi, hein, bien sûr, tu peux lui dire, n'hésite pas. N'hésite pas, on t'encourage. Oh bah yes, croissant mince. Voilà. Après, tu lui dis bien que si je dis ça, c'est pour rigoler, hein, bien sûr. Je suis méchant. J'adore rire. Hop. Ah, on essaie de se dépêcher. Ah, mais comment? Hop. Alors, je me donne de l'attaque tout de suite afin de pouvoir afin d'espérer pouvoir lui mettre une bonne patate. Qu'est-ce qu'il attend? Pourquoi il a pas tapé? Il a pas tapé? Je crois qu'il a pas tapé. Il a pas tapé. Il a pas tapé. Il a pas tapé. Maintenant il a tapé. Pas tapé, pas tapé. Tu sais que je dois aller me chercher mon repas. Petite patate rôtie. Oh là là. Ah, j'avoue, là, dit comme ça. Bah écoute, c'est sympa de proposer pour nous, hein. N'hésite pas, hein. C'est pas moi qui va t'en vouloir, hein. Paf. Oh, le dragon en deux coups. Paf. Enfin, deux coups. Deux attaques, paf.
Là, c'est pile pendant ces moments-là que je sens que le farm il sert à quelque chose. Et quand le farm il sert à quelque chose, tu vois, je respire comme ça, je fais. Ah, ça fait du bien. Ça me donne envie de mettre des patates. Vous savez que j'adore mettre des pâtes. Alors je vais tenter un truc. Je dis pas que ça va marcher. Je vais essayer de lui faire baisser sa défense magique. Et au lieu d'attaquer en physique, je vais voir si je vais attaquer en magie. Pour voir si ça change quelque chose. Allez. Je fais des tests. Allez. Et si ça marche pas, bah. On dira que c'est la faute d'Aki. Il mange ses patates tranquilles là, sur nos legueux. Attention. Bah, c'est bien de la merde. Voilà. Merci. Bah, bravo. Tout ça pour perdre 400 pour lui faire perdre 400 PV. Ouais, c'est nul. J'espère que tes petites patates rôties là, elles seront bonnes hein, parce que bon. Bien mis dans la sauce. Faut taper, monsieur. Merci. C'est tôt pour parler et manger. Oh. Béni dans le jus de poulet rôti. Ah, j'avoue que ça. J'avoue que ça, c'est pas sympa. Ça, c'est vraiment pas sympa de parler de ça là maintenant. D'ailleurs, si vous voulez qu'on le Théo, pas de problème. Hein. Vous me dites. Hein. Je fais glisser ma souris, pas de problème. Pas moi que ça va déranger là. Feel my wrath. À bientôt niveau 40. Hein. Parlez pas de manger de cadavre. Du cadavre quoi? Ah, du... Enfin non. Toi qui a parlé de patates en premier. Oui, on parlait de patates, hein. Comment ça? Viens là, toi. Viens là. Ah oui, de poulet, oui. Oui.
Exact. C'est un poulet pour... Ouais, alors tu... Oui, ouais, oui. C'est un gros poulet, ouais. On pourrait demander est-ce que c'est vraiment... Ah, oh, ah. Oh, ah, oh, ah. Est-ce que c'est pas un dino en fait? Hein, Sev, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'un poulet c'est pas un dino en fait? Oh, ça va tellement plus vite. Ouais, on est niveau 40, ouais, techniquement, bah voilà. Frappe les ennemis d'une pluie brûlante. Parfait. Je peux ranimer tout le monde maintenant. Est-ce que je suis nul ou je suis nul? J'arrive pas à savoir si je suis nul. Ah non, je suis pas nul. Il y a plein de dinos différents. Alors, sache que la dernière fois que je parlais de ptérodactyle, il y a Guilla qui m'a regardé, qui m'a dit « sapin, c'est pas un dino. » Oh, alors là, si je le touche, je meurs. Il a fusionné 4 fois. Autant te dire que l'ennemi qui sort là de la fusion, je veux même pas savoir ce que c'est. Ça va être un dragon, mais c'est pas un petit dragon quoi. Ah, c'est pas un petit poulet quoi. C'est ce que je veux dire. Ouais, beau patate. Hein. Allez. Dépêche! Tiens, je vais tester un truc. Je vais essayer de lui balancer l'attaque à 300 pour voir ce que ça fait. Juste pour voir. 1450. Oui! Ah bah oui! Bah je dis oui. Je dis oui! Clipper 1, c'est un peu notre équivalent des dragons. Oui! Ah, comme l'abeille géante là que j'avais là, la dernière fois là. Ah oui, ça c'est un beau dragon. Hein. Je peux te dire, ouais, pas mal. Beau petit dragon. C'est la taille de mon pouce. J'étais trop ambiancé. Trop ambiancé de la tenir dans la main et... Ouais. Moi, je pense que c'est dans ces moments-là où je me dis que vraiment le jeu est pas très beau. Hein. Parce que là, tu regardes... Enfin, non... Sur les volcans, enfin bon, enfin, pour de la PSP quand même quoi, enfin je, s'il vous plaît quoi. Enfin non mais la PSP, c'est un, enfin elle fait mieux hein. Ouais encore j'ai plus de résolution. Ouais. Mais c'est même pas un JPEG. Non je pense que c'est plus qu'un JPEG, un JPEP. C'est plus qu'un JPEP ouais. Cheville rapide, c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai chopé? Cheville rapide, c'est un... D'accord.
Très bien. Un JPP, ouais. Un JPEP. C'est un bracelet. Non, c'est pas un bracelet, c'est un anneau. Non, c'est pas un anneau, c'est pas un anneau, c'est un collier. Non, c'est pas un collier? Oh, ça ressemble à un collier, là. C'était pour... Bah non, cheville. Idiot. Idiot. Agilité. C'est quoi agilité déjà? Pff, ah, je sais plus. Parce que le problème, c'est qu'avec ce jeu, c'est que c'est pas très bien fait. Alors. C'est pas très bien fait, les statistiques. Bah, agilité, ça doit être la oui. Ah, c'est la précision. Ce qui n'est pas con, en fait. Bien sûr. Non, mais oui, en fait, il n'y a pas de... Non, mais enfin, quand je pose la question, c'est ma faute. Encore ma faute. Toujours ma faute. Il y a des jeux 3D bien plus jolis. Bah oui, bien sûr. Ah non, mais quand je dis c'est la paix, enfin je... Oui, ouais. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est sûr. Non, mais j'ai pas envie là. J'entends déjà là, ça me donne pas envie. Petit coffre. Canne féerique. La canne qui frétille. Bien sûr. Une voix. Une voix? VOIS? Ah oui! Ah bah, bien sûr, pas de faute. Qui est entré dans le sanctuaire du dragon? Vous êtes défendu. Ok. Si vous tenez à votre misérable existence, partez sans faire de bruit. Alors, partez sans faire de bruit. Alors, du coup, si je balance là, si je te fais un petit coup de. Un petit coup de flûte de, flûte de dragon là. C'est bon là, c'est gagné. Petite flûte. Petit flutio là. Allez! Voilà, et là, si j'utilise l'objet, là, ça marche. Et là, le dragon, il va arriver. Et bien sûr, j'aurais pas dû. Oh, si je meurs. Oh là 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 là, mais cette erreur, j'en suis sûr que c'était la pire erreur de l'univers. Je vais lui faire 2 de dégâts. Ah non! Allez! C'est parti! C'est parti. Ouais, c'est le farm qui parle. Clairement, le farm parle. Oh, clairement là, ouais, c'est bon. T'es mort! T'es mort. Je me buffe comme jamais je me suis buffé. Il touche plus. Il touche plus. Là, je vais faire 1500 de dégâts. Attention. Ah non, 9. 9, 900. Ouais, c'est pas ouf.
Ça a dû... le buff a dû partir. Dommage. Petit buff, hein. Brasse les danses. Ok. Parfait. Bracelet épée et bracelet danse combinés. Du coup, maintenant, je peux monter en haut de la tour lunaire. Maintenant, nous pouvons aller à la tour lunaire. Oui, merci. Le jeu qui fait « Trop bien, je peux te... je peux te, te backseat, s'il te plaît ?» Ouais, ça c'était pour Cookie. Parce que Cookie, elle aurait pas suivi, bien sûr. Donc il aurait fallu lui dire. Bien entendu. Hop. N'hésitez pas, bien sûr, à me dire que j'ai mal parlé. Et aller dire à Cookie ce que j'ai dit. De toute façon, je pense que... Hé ! Vous avez remarqué ? Cousin, il est pas là encore. Pardon. Non, moi ça me fait rigoler. Moi j'aime bien l'humour. Certes, mais il est pas chez Cookie. Ah bon? Il arrive vers midi? Non, parfois il est là plus tôt, hein. Alors, roi Wyvern, je t'avoue que si je peux passer à côté sans qu'il me touche, c'est bien. C'est mieux, même. Axiran, l'agent double. Ouais, c'est vrai. Il est chez Emnes. Pourquoi il serait chez Emnes? Ce serait bizarre de le voir chez Emnes, je t'avoue. J'avoue que je trouverais ça étrange. Allez. Hop. On va essayer de le calmer tout de suite là. On passe pas son attaque à la 1. Chien. Alors j'ai bientôt plus de. Mon arme a bientôt plus de durabilité. Donc là, ce que je devrais faire, c'est retourner en arrière. C'est pour ça que je vais continuer. Est-ce que j'ai aucune idée de... Ce que j'aime bien vivre dangereusement. J'aimerais bien voir ce qu'il y a après la zone de feu. Oh, on est tous niveau 40, c'est bon. On est vraiment tous niveau 40. Foulard de terre. Alors, foulard de terre, ça doit être sûrement pour bah, le... Ah, voilà. Du coup, tu le mets où ça a une armure? Non. Bah non, c'est quoi? Un brassard? C'est pas un anneau? Ah, il y a un ennemi. Ah, on va pas pouvoir rentrer. Non.
Ah, je peux pas lire. Je peux rien faire. Mais t'es qui? Mais t'es qui le jeu? Peut-être parce que j'ai pas le bon perso? Juste t'es qui? Bah non. Trop bien. Mais l'objet là, le foulard, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux pas me le mettre au cou? Super. Allô? Il y a encore un objet qui a disparu? Oh, ça sent l'objet qui a disparu. Alors c'est un matériau. C'est peut-être pas. C'est peut-être juste. Il est marqué combiné, t'as une recette. Ah, tu penses que c'est une recette? Foulard, 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 foulard. FFFFF. Peut-être. Ça m'étonnerait que ça soit une recette, hein, mais bon. Non. Hein. Félix. Récombiné, t'as encore les deux bracelets. Oui, non, mais le. Ouais, bon, faut, pas compris. Bon, allez. Pas compris. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc là, on va enlever l'arme. Et on va taper avec les mains. Voilà, je fais 19 de dégâts. Je suis vraiment trop fort. Trop fort. Juste trop fort. Ah oui, il est sur le chat d'Angers, c'est vrai. Mais ne le répétez pas. Oh. Hop. Vous êtes les pires. Oh, ça fait mal! Fait mal, oh. Feel my wrath. Copain, ouais, les personnes de 12 ans, ouais. Et du coup, pour à quel âge là? Parce que là, vous en parliez et j'ai pas suivi parce que j'étais concentré, mais je suis curieux là maintenant. Généralement, on demande l'âge de tout le monde ici, hein, c'est normal. Pas le choix. Le même que toi? Non. Elle a donné son année de naissance. Mince, j'ai pas vu. Pourquoi j'ai raté ça moi? Oh, j'ai vraiment raté ça. Je suis au bout. J'ai raté ça. Baiser d'ange. Très bien. T'as quel âge? Moi? À toi de le découvrir. Elle a donné son âge. Elle a donné son année hier? Non. Non, c'est pas possible. Mytho. Mytho, je vais faire parler les logs. Hein.
T'as 28, 30. J'ai 32. Bravo. C'est bon, je te le donne parce que si t'avais dit t'as 38, 40, bah tu serais banni. Hein. C'était le ban. Hein. C'était le ban tout de suite, bien sûr. Bien entendu. C'est déjà arrivé. Mais non, mais pas mal. 32, c'est totalement. Félicitations. Une quarantaine bien tassée, ouais. Impression d'avoir gagné à Gold. Oui! Enfin, non. Allez, 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 dépêche-toi! Non, pas ça! Non, il va prendre. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est quoi résonance déjà? Non, on s'en fout. Le soin. 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 Merci. T'aurais jamais deviné 26. Non, je pense que j'aurais jamais deviné 26. Ouais. Et du coup, je suis de l'année de BG1. Mince. BG1, du coup. Non mais je vais regarder le log là, c'est bon. De toute façon, t'as pas parlé non plus. T'as pas pu encore écrire 999 messages plus plus. Paf. De beau gosse 1, ouais. Bravo. Poète, 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 poète. Ah, t'es déjà à 643 messages. C'est quand même pas mal. Donc hier, attention, hein, si c'est pas ça, bien sûr tout le monde prend pour tout le monde. C'est la règle ici. Hein. C'est la règle, tout le monde prend pour tout le monde. Alors hier on a parlé de tatou, ouais, je me rappelle, ouais. Donc là il y a une année que j'ai raté. J'ai raté une année, non mais c'est pas possible. Comment ça j'ai raté une année? Impossible. Ah mais plus tu y es pour rien, plus tu prends. Comme ça, après, la délation, tout ça, ça fait un chat très sain. Alors... Non mais là, je suis en train de regarder vos mythos, là. Y a pas du tout d'année, là. Y a pas d'année, là. Ah mince. Je suis de 98. Mince! Ouais. Oh, une 2000, quoi. C'est bon, j'ai noté. C'est noté, ouais. Wow! Impressionnant. J'ai tiré 3. Merci, t'aurais pu dire l'année de la Coupe du Monde. Voilà, bien sûr. Merci, Guilla, pour ton 46e mois de chais. Bien sûr. Pas une 2000? Bah pourquoi pas une 2000? Qu'est-ce que t'as contre les 2000? Tiens, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Alors, chromistique. Je crois que j'ai pas de chromistique. Comment ça, j'ai pas de chromistique? Ah, mais si, j'en ai. Un 600 PO. Bon, 98, 2000, c'est pareil, hein. Voilà. Mission.
protéger Ren, c'est bon. L'autre, il faut la Jade. Moi, je suis une 90. Ah bah non, ah non, alors ça, bah non. Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, ah non. Alors ça, non. Parce que je suis de 89, on m'a jamais dit que j'étais des années 80. Ah ouais, alors ça, ça passe pas, ça. Hein. Allez, genre... Très bien, Santanas, t'es engagé. T'es engagé, tu seras mon premier ministre. Bienvenue. Bah oui. Je suis de 79, on me disait... Bah oui, bien sûr, bah voilà, donc voilà. T'es une enfant des années 2000, c'est pas grave, hein. Bah tu nous hais, non. Les millennials. C'est terminé. Totalement catégorisé. Votre tâche s'arrête là. Alors je parle à tout le monde pour voir s'il n'y a pas d'émission. On sait jamais. Ah bah tiens, elle est où mon arme toute pétée là ? Que je voulais vendre. J'ai qu'à pas la vendre. J'ai qu'à la... Voilà. Trop malin. Ah. Ah, j'ai voulu être trop malin et en fait le jeu m'a dit non, tu ne seras pas malin, c'est moi qui décide. Ok. Pas de soucis. Bah, bonne journée. T'es une enfant de... Alors là, alors par contre, Chichi... non, alors par contre, je suis pas d'accord. Là, Chichi, faut... Oh. Ouais, non, là, c'est sauvage. Non. Non, 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 non. Donc on va pouvoir acheter des équipements niveau 40. Alors c'est bon, c'est parti. Allez. Pendant que vous vous tapez là, moi j'achète. Hein. Et là maintenant pour niveau 40 il va falloir 6000. Ah que 6000. Que 6000. Technonique dans les années collège. C'est pas plus débile que vos trucs des années 90. Je sais pas. C'était quoi le... Ah mais attention, il n'y a pas de jugement sur attends, attends, mais là ça va pas là. Oh là là, oh là là, mais attendez, moi j'ai pas jugé ce que les gens faisaient dans les années 2000 là. Pourquoi c'est qui tape là? Axeran, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas participé, j'en ai rien à foutre. Non mais. C'est Chichi, j'avoue! Oh! Enfin, je sais pas, mettez des gants avant. Ceinture de feu. J'ai le feu.
Collier terrestre, je sais pas qui est en terrestre, enfin qui est en terre. La terre. Le feu. C'est Gozen. Gozen. Collier terrestre, voilà. Mais du coup, après la génération, on passe à quoi, au chiffre? Bah, je sais pas. Moi, j'ai juste dit tectonique, c'est pas ma faute, c'est le premier truc qui m'est venu des années 2000. Non, mais attends, mais il y a d'autres choses dans les années 2000, là. Allez me taper... Bah non, mais c'est bon, c'est la comparaison, là. Allez me chercher des trucs des années 90 et des années 2000. Enfin, des années 2000, parce que les années 90, ça sera un peu plus facile. Allons-y. Hop. Je suis tout oui, parce que là, de toute façon, je fais un truc chiant, donc autant... La PSP, c'est les années 2000, bah, trop bien. La télé-réalité. Frozen, qu'est-ce qu'on a dit? Koh-Lanta, ouais. Désolé. Ouais. Ouais, bah, il y a voilà, et Koh-Lanta, c'est très bien. Non. Médaille brûlante, ouais. Ouais. Oh, j'ai tellement de thunas. Avec toute la vente, là. Je vais être riche. Ouais, heureux à qui? Bon, bah, il n'y a que des trucs bien, finalement, aux années 2000. Voilà. Pas de problème. Putain, c'est dommage parce que Big Jim, il avait rien dit. Il avait pas parlé de la grande story encore aujourd'hui. J'étais vraiment content. J'étais vraiment content, hein. Je me suis dit, ça y est, il va pas en parler aujourd'hui, ça va être bien. Quel dommage. Vraiment, quel dommage. Jambière et après j'achète une arme. C'est gentil de demander. Tu veux me touiller tellement à mort. Tout ce qui t'intéresse, c'est de me touiller à plus en pouvoir. Tu veux m'essorer. Il y a que des trucs bien. Allez, vas-y, donnez-moi les trucs des années 90, là. Allez, hop, c'est bon. Hop, qu'on décide quelle est la meilleure année, bien sûr. C'est ce qui m'intéresse le plus, vous imaginez bien. Bon, on va aller farmer du pognon, je pense, hein. C'est le moment d'aller faire du pognon. Go farmer pognon. Oh. Comment ça, sabre? Oh, j'ai acheté un sabre. J'ai envie de me taper la tête contre un mur.
Ouais, Club Dorothée, c'est c'est tout début années 90, non? Mais maintenant, c'est fin années 80, non? Alors là, non, hein, j'ai un doute là. La meilleure année doit être entre 1900 et 1927, c'est... Ah bon? Oh, je vais arriver à la tour lunaire, là, je vais tout péter. Ils sont pas prêts. Vous avez les Furby? Bah, c'est pas ouf, hein. Windows 98, ouais, bon, soit. Je suis sur Buffalo, bien sûr. Bah, les Pogs. Hein, bien sûr. La Coupe du Monde 98. Oui. Ça cherche, hein. Ouais, ça cherche de fou. Ça cherche vraiment à embrouiller les gens ici, hein. Tout ce que je remarque, hein. Comment ça, tu gardes la Coupe du Monde? Bah, ah bah que dalle! Qu'est-ce que c'est que ça là? Jamais de la vie! Ha! Bonjour Kalios. Ah mais non, ça se passe pas comme ça, hein. Soit vous dites que je suis des années 90, soit je garde la Coupe du Monde. Ouais. Je pense qu'il va falloir... ouais. Je pense qu'il va y avoir des problèmes ici. Hein. Ça se trouve, t'étais même poney. Bah oui. J'avoue, t'avais... Bah oui, t'es... Quel mois? Ah là, j'avoue. J'avoue. Attention, Axeran a peut-être mis le coup final. Il faut répondre à cette question, là, maintenant. Aïe 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 aïe. Coup dur. Cette question, bien sûr. Bon, non, mais c'est bon, hein, pas besoin de l'avocat. Je crois qu'on a eu la réponse. En tout cas, bravo, hein, vraiment, Axeran. Je pensais pas que tu pouvais taper si juste là. Totalement le bro là. Le but en or. J'ai dû vérifier si j'étais né. Ah ouais, donc... bon, après, t'as pensé à toi en premier. Bon, finalement, est-ce qu'on va t'en vouloir? J'avais 5 jours au début. Le couteau entre les deux omoplates, ouais.
Jet de flèche. Bien sûr. Oh, ça va être long. Ça va être long le farm. On se connaît pas, ça change R. Bah tiens, allez hop. Ah, par contre, faut. Ah non, non, attention, hein. Faut pas non plus. Hein. Faut pas non plus essayer d'assommer. D'assommer l'adversaire. Etc. Non, c'est. Attention, hein. Faut... Allez. On va essayer de survivre à ça. 149. Bien sûr. 149, que ça. Soutine, hein. Soutine. Une caresse. Oh là là, pourquoi j'ai fait ce combat? Pourquoi j'ai démarré ce combat? Actuellement en train de me demander qu'est-ce que je fous. Ok. Allez, ça va être long. Tout va bien. Tout va bien, je gère. Jamais autant aussi géré de ma vie. J'avoue que c'est plutôt mal, hein, Chachi. Ouais. Soutenu pendant votre drama et vous me poignardez. Attends, tu nous as soutenu pendant les dramas? T'es sérieuse là? Pendant les dramas, c'était toi qui voulais absolument qu'on te raconte tout, même si ça devait nous séparer. Ah ouais, non, là par contre c'est chaud là. Hein. Là, ça a sélectionné des avis, ouais. J'avoue, là, ouais. Bon, pas fou. Pas fou ce qui est en train de se passer. Je pense que ça va le tribunal, tout ça. Oh, je rate ça. C'est inratable. C'est inratable et je le rate. Oh, il va me défoncer. Il va me défoncer, il va me défoncer. Aïe, 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 le drama. Arrête, arrête. C'était pour rigoler. C'était vraiment pour rigoler. Wow. C'est chaud, là. Hein.
Chaud. Je donne ma date de naissance. Ouais, vas-y, vas-y, ouais. Ah, je te promets qu'on arrête tout de suite de se battre. Hein. Et attention, hein, moi quand je dis quelque chose, généralement, je mens jamais. Hein. Vas-y. Promis. Oh, zéro. Zéro. T'entends? Zéro. Aïe, 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 aïe. Environ à 22h, parfait. Eh bien, écoute, on sait tout maintenant. Le 12 novembre, ouais, c'est vrai que là, la Coupe du Monde, là, ouais. Bien sûr, tout ce que tu viens de dire sera retenu contre toi, bien entendu. T'inquiète pas pour ça. Multi-soin, on va y arriver, hein. Le combat va se terminer un jour. Hein. J'ai vraiment la pire. J'en ai fait des choix de merde, mais alors là. Pas sûr que ce choix était le meilleur. Hein. Mais laisse-la tranquille. Elle t'a rien fait là. Ça veut encore taper les healers. Alors qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de taper les healers. Ils ont rien fait. Je vais encore prendre la max en feu là. C'est sûr. C'est sûr. L'accent de Grenoble, c'est tout de suite moins sexy. L'accent de Grenoble là, je cherche là. Je cherche l'accent de Grenoble là. J'avoue que je me sens pas bon, je sais pas. C'est Global Blanc celui de Lyon? Bah. Non, non, parce que je sais qu'à Chambéry, qui est pas si loin de Grenoble que ça, je trouve qu'ils ont un. Alors c'est peut-être pas un accent. Enfin, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Quelque chose de différent. Bon alors là bien sûr elle te dit rien à voir parce que bon bien entendu elle veut absolument t'expliquer qu'elle est elle est unique, bien entendu. En plus tu sais même pas, ça se trouve je suis pas originaire de Lyon, hein, je sais pas. Hein. Voilà.
Chalfie. Ah bon, qu'est-ce qui se passe là? Allô? Le jeu essaie de me faire passer un message, je sais pas lequel, mais c'est vraiment pas ouf. Ah ouais! Je reçois le message là. Il est là. Faut que ça s'arrête maintenant. Allez hop. Allez. Stop. On va tous se coucher. Mais sa barre de vie ne descend plus. Sa barre de vie ne descend plus. Au secours. Bah oui, mais là, mais le jeu. T'es en train de me troll là. Et en plus, je peux pas vous lire. Stop, meurs maintenant. Allez. Au secours. À l'aide. C'est bon! Alors. Plus jamais un combat comme ça. Genre, plus jamais. Plus jamais. Alors, c'est l'heure d'aller manger. Soyez pas trop méchant, des bisous, chichi, mais je pense qu'il est déjà parti. Je reprends la bagarre. Donc, c'est pas à côté, c'est scandaleux. Pense à celle d'elle et son énorme accent, j'avoue. C'est vrai. Il y a quand même une proximité assez évidente. C'est comme si je disais que Bordeaux. Bah oui, bah fou. Ah non, non, mais ça y est, ça va pas là. Faut faire des dégâts pour descendre la barre de vie. Merci. Ouais. Attends, mais elle est en train de dire que Bordeaux, c'est aussi près de Toulouse que Grenoble de Chambéry? Non, mais attends, on est sérieux là? Est-ce qu'on est vraiment en train de parler de ça là? Est-ce qu'il se passe vraiment ce qui est en train de se passer là? Non mais parce que, hé! Non mais, quand même. Alors je connais peut-être pas Grenoble sur le bout des doigts, mais j'y suis allé plusieurs fois. Oui, désolé, je suis arrivé un peu tard dans la discussion. J'ai eu un petit souci avec un combat. Moi, j'y connais rien. Bah, si tu connais rien, pourquoi t'as dit quelque chose, alors? Pourquoi tu t'es engagé à... Enfin, pourquoi tu t'es lancé dans la discussion, là? T'imagines, c'est un peu comme si t'avais dit que tu t'y connaissais vis-à-vis de la Coupe du Monde 98, quoi. Hein? T'imagines. Imagine. Ça aurait été surprenant. Alors là, Big Jim, non, 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 par contre, non, non. Elle était pas née. Ah bon?
Alors, on va se soigner. Et puis après, on va aller chercher vite fait. J'ai coupé, je t'ai pas entendu, tu peux répéter? T'inquiète, c'était pas intéressant. Ça valait pas le coup. Il y a le replay au pire, pas besoin. Alors, est-ce que je peux acheter mon arme niveau 40, bien entendu. 13 500, et avec ça, je vous sers quoi? Qu'est-ce que je vous sers, non? Petit café, non? Ah, mais je suis obligé de farmer là maintenant. Tu es content? Tu m'as brisé le cœur. Bah, c'est pas moi! Mais moi j'ai rien fait! Ah non, mais moi j'ai rien fait, hein! Axeran! Ah bah oui, Axeran! Bah ouais. Ah bah, des choses, ouais, il a dû en faire, ouais. Non, mais je suis obligé de farmer encore là? Non, mais je vais pas farmer pour farmer en fait. Là, ça sert à rien ce que je fais. Non, faut que je me casse. Ah, non, là, je suis en train de farmer pour farmer. Niet, on va avancer l'histoire là parce que ça va pas là. Go tour lunaire. Hein. Vous êtes moche, ah bah yes. Maintenant, ça attaque le physique. Ah yes. Heureusement que Chichi est parti manger, hein, parce que là, chaud. Hein. Chose qui se passe. C'est du chevreuil, on n'est pas fâché. Non, 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 non. C'est quoi ça, cette emote là, Yume? Yume Tsumi. Vas-y, raconte-nous là, Max. C'est un chamallow. Ouais, c'est pipo. Mais non. De toute façon, si on n'est pas au second degré, t'inquiète pas, ça se voit assez vite, hein. Enfin, en tout cas, me concernant, sachant que tu m'entends en vocal, ça devrait aller assez vite. Après, pour les autres, ça va, ça va. Ça va. Tant qu'on sort pas les couteaux, ça va, on est sympa. Quoi. Ouais, ici. Bien sûr, et que moi qui compte maintenant. Allez, go tour lunaire. Donc là, on va aller taper je sais pas qui, je sais plus qui. Super. Très bien. On va aller taper un méchant. Et ce méchant, il est très méchant.
Je déteste les gens méchants. Go! Ah, comme ça, là. Petit lézard mystique, direct. Oh, mais comment ça? Attendez, on m'a pas proposé, moi. Non, mais je vais pas faire un combat qui dure... Oh, non. Non. On me cesse de dégâts? Bah bien sûr. Je propose à tous un petit cocktail au cyanure là. Allez. On va lui baisser sa défense magique et on va essayer de lui mettre des... essayer de l'attaquer en magie parce que en physique apparemment ça passe pas trop. Mais non, mais j'ai farmé 570 000 heures, là. Ah. Il y a un truc. Comme vous venez de le voir, il s'est passé quelque chose, là. Passer un truc. Cette personne n'aime pas les attaques magiques. Moi je continue hein. Tellement gagné. Non. Aïe. Non, mais ça fait mal. Mais par contre, cette histoire de farm là, je comprends pas parce que, enfin, genre cet ennemi, il a, ça se trouve, il a fusionné plusieurs fois. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il est beaucoup trop fort, mais en fait non. J'ai fini, j'ai le droit à l'histoire. Quelle histoire? J'ai promis une histoire, moi? Non. Oh! C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? What? Enfin, prévenez quand vous tapez, non? Ok.
Eh ben. On a intérêt de me donner 10 000 d'XP là, au moins. Mini. Ah oui, c'est un. Ok, il avait. Donc c'est un ennemi qui avait été. Fusionné deux fois. Ça, c'est le problème hein, du jeu. Hein. Vraiment, ça, c'est le problème de. Que voilà, les fusions, je ne les contrôle pas en fait. Je ne les contrôle pas. Et à part me barrer. Oh là là, c'est encore une grosse fusion. Ah, on n'arrive pas à s'enfuir, trop bien. Et quand t'arrives pas à t'enfuir, il faut recharger toute la barre. J'adore. Bon, je peux passer à travers. Donc dans un sens, ça va. Quand même, heureusement... Enfin, ce qui est fou, c'est qu'il faut se dire, c'est que même avec le farm supplémentaire que j'ai fait, même avec ça, eh bien, j'arrive à... J'arrive à me faire rouler dessus. Ce qui est horrible. Et là, j'imagine deux secondes, Koki, ça devait être la fin du monde. Genre, ça devait être juste la fin du monde. Alors. Bah, on y va. Donc là, on a fait les deux parties du bracelet. On va pouvoir monter tout au-dessus de la tour lunaire. Pour je ne sais pas faire quoi. Hein. Ah bah pour taper des mobs. Hein. Logique, vous allez me dire. On va faire le tour pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ah non, on va pas faire le tour. On va taper des gens. Tremble before Kanga, King of the Morzard and protector of the unholy seal. Libra shall not be released. Libra? The filthy stone sealed away by the Dark Lord. She maintains the power of the Blade Dancer. Mm-hmm. Sealed away? Donc apparemment on est le Blade Dancer. Libra c'était... Je crois que c'était un gentil qui est devenu méchant. Ah, cousin écrit sur le Discord, il va sûrement arriver. Yes. Attention, préparez-vous. We sacrifice the blood of an innocent in order to reinforce the seal. But why am I telling you this? Seize the women, behead the men. The red-haired girl belongs to the Dark Lord, but we can still drain the blood from the green-haired one. I guess they mean me. D'accord. Je crois qu'il y a soit j'ai pas compris un truc vis-à-vis du Blade Dancer machin, soit le jeu essaye de me plot twister. Je suis un peu just hein. Je suis un tout petit peu juste. Oh là là. Enfin, je suis juste. Non, je suis pas juste, mais va pas falloir traîner quoi. Bah, l'histoire elle est pas trop mal racontée. Elle est assez simple pour que je puisse chercher moi-même. Mais
Mais comme là, il y a 2-3 infos que le jeu m'a pas donné exprès pour me mettre en déroute et que je cherche par moi-même. Bon. Voilà, ça va. Maintenant que je me suis buffé et que lui je les debuff, ça devrait aller. Là il va prendre la max. En plus il a pas moyen de charger quoi que ce soit. Seule chose que je comprends pas, c'est pourquoi c'est le healer qui prend, la healeuse qui prend, alors que ben c'est pas logique. Enfin, pourquoi elle prend aussi facilement? Je sais que le jeu il vise la healeuse, c'est pas illogique. Mais pourquoi ça va? Pourquoi c'est systématique? Genre il pourrait taper quelqu'un d'autre. Non, j'avais bien farmé. Parce que... Celle est mort. Ah non, pas encore. Ah, le buff qui est parti. Va falloir rebuff. Enfin, le debuff qui est parti, pardon. Va falloir redebuff. Allez, c'est bon. Là, t'es mort. Voilà. Il y a des trucs pour protéger les persos. Oh, 5000. Oh. Oh, 5000, c'est pas mal. The Morazard seal is shattered. Many years it has been since I have encountered one who might take on the role of the Blade Dancer. I sense the presence of one who emanates light, and one who embraces darkness. Again with this Blade Dancer crap! Who the hell is this guy? And why should I care? Non mais lui aussi il est débile. T'es né avec un... Avec un soleil sur la gueule! Tu t'es jamais posé la question pourquoi? Oh, m'énerve lui. The dancer is one of immeasurable courage who draws power from the desire to protect others. I exist to confer this title onto the worthy. Light and darkness. Can someone please explain what the heck she's talking about? Ils sont tous débiles. Ils sont tous j'ai l'impression de jouer à Tales of. Voilà, ça y est. The power of darkness that wounds the souls of Lunadia, and the power of light that heals them. I perceive both from you who stand before me. Ils sont tous horriblement cons. Ouais. Power that wounds souls? So why have you broken my seal? Bah what oui. Do you desire from me? c'est pas con ça. On fait une tâche de naissance, on serait pas rendu. Non mais d'accord, mais ça c'est pas une tâche de naissance là. Là quand même là. I want the power to destroy the Dread Knight. That's my desire. If you are what you claim, grant me my wish. I cannot grant you that power. I can only release the power that already resides within you. But
The Dread Knight, you say? Is it you who wants him destroyed, Zamos' child? Et là, normalement, vu que apparemment le chevalier noir, il est avec nous, c'est pas logique. Why do you say that? What do you know? Do you not understand the question? Do you not know what sins you have committed, Dark Queen? Oh là là. I don't know what you mean. On était sage. Ah ouais. Hey, stop picking on her, you big bully. She didn't do anything to you. Voilà, secours. Là, je sens en forme de crucifix retourné. Je le vis bien. Ouais. She's lost her memory. She has no idea who she is. She didn't even know what Zamos was until a little while ago. Do you mean to say you have no memory of standing at the side of the Dark Lord 1,000 years ago? Aïe, 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 aïe. The Dread Knight has the power to protect you. Voilà. You want to go out and destroy him? Donc il est bien avec nous. C'est ça. Et donc Kostner, qui est le grand méchant, voulait qu'on aille taper le grand, enfin le Seigneur Noir. Sauf qu'en plus, le Seigneur Noir, il nous a dit. Il nous a regardé, il nous a dit, mais vous êtes cons. I stood at the side of the Dark Lord. Do you have nothing to say in your defense? I'm... You don't have to say anything, Tess. Huh? Would you just shut the hell up, you stupid rock? You're starting to piss me off. Yes, gross ambiance. Who cares what did or didn't happen 1,000 frickin' years ago? All I care about right now is being able to protect her. Are you gonna help us or not? Yeah, really. Make up your mind already. Everyone, please. Very well. I shall reveal your hidden power. C'est vraiment Tales of la mise en scène un petit peu quand même. Même vibes. Huh. I feel exactly the same. Hey, can you do the same thing for everyone else? You don't feel any different because you have not achieved your full potential. And there can be only one Blade Dancer. If the previous Blade Dancer has not died, the next candidate will be unable to reach his full power. Oh là là, le plot. Je suis nul parce que le Blade Dancer précédent, il est encore là. Yeah, yeah, you don't say. Within the cursed land in southwestern Fu stands the forgotten prison. Here you will find the sword that belonged to the legendary Blade Dancer. Ah non, du coup, non. Sud-est. Oui, mais ça va pas nous ouvrir une autre... Non, bah non. Though your true power is still buried, with his blade, you will find the strength to fulfill your wish. Non, c'est bon, le précédent, il est mort. Here we go again with that 1,000 years ago crap. Pay attention. 1,000 years ago, the last Blade Dancer entered the cursed land. While there... He relinquished his divine blade. Ah non! Since then, apparemment, il est vivant. With his essence. J'aurais dû me taire, c'est la banette. Living or dead, I know not what has become of the legendary hero. What are you, nuts? If he lived 1,000 years ago, of course he's dead by now. You dare call Libra, forged from the shining moonstone, nuts? Are you being funny, boy? Though I must say, nobody has ever had the courage to say such a thing to me. You must have given the title to a bunch of pansies then. You should pick cooler guys like me from now on. Ah, j'en peux plus. J'en peux plus, j'ai tellement envie de le... J'ai envie de l'étouffer, j'ai envie de le noyer, c'est... Ah ouais, voilà, chaud, hein. Très très chaud. I'll keep that in mind.
I, Libra, have unleashed the secret power of man's courage, the protector of light. Awesome! I guess it's time to head out and get my new weapon. Get ready to meet your maker, Dread Knight. Mais par contre, il est con. Attends, il s'est pas dit qu'il va, on va aller taper le chevalier noir là quand même. Il est pas idiot à ce point quand même. Oh mon dieu. Oh le bouffe. Non mais c'est pas possible d'être aussi bête. Ah non mais quand même. Ouais. Excusez-le hein. Excusez-le, il sait pas ce qu'il dit. Alors je vais voir ce que... Est-ce qu'il y a des infos? Sinon utiliser son pouvoir pour transformer les gens normaux en horrible créature. Ouais, très bien, à la fin de... Oui, ça... Ah oui, mais ça, je l'ai lu, ça n'avait rien de... Je cherchais l'histoire vis-à-vis de Libra. Parce que Libra, moi, je pensais qu'il était méchant, et finalement, il est gentil, je comprends plus rien. Tiens, c'est quoi, ça? Porte de Libra. Quoi? Il y a un fast travel? Attends, quoi? Ah, ok. Oh là là. Bah, meilleur jeu. Bah alors, je sors pas de la tour lunaire parce qu'il y a un Morzard à taper. Non, c'était pas là, ça. Hein. Sur ma teuté que c'était pas là. Hein. Je préfère les voix japonaises, au moins je comprends rien. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. En mode jeu, pour l'instant, il me fait rire. Moi, j'avoue, pour l'instant, je passe un bon moment. C'est le plus important. Du coup, pendant qu'elle mange, je veux t'expliquer l'histoire de la rame. Oui. Bien sûr. Après, imagine, elle a pas rangé. Imagine tout ce qu'elle nous a dit, elle a pas rangé. Faut trouver un Morzard. Non! Arrêtez de me courir après là! Ah, ça y est! On va se faire défoncer. Ça y est, c'est la fin. On a battu un boss compliqué, mais là, bah, on va se faire défoncer. Because why not?
C'est vrai, elle a déjà essayé de nous tromper en plus. Hein, donc, voilà. Exact. Très bien dit. Yeah, je note. Donc là, heureusement que c'est Félix qui a été charmé par des œufs. Un dégât, bah yes. Bah juste yes. Très heureux. Elle est avec nous. Elle est revenue. Non mais vous êtes sérieux? S'il y a rien qui fait mal, qu'est-ce que je fais? Mon arme, elle est bientôt détruite. Trop bien. Le plaisir. Non mais je peux juste rien faire. Hein. Je vais me barrer. Hein. Ça sert à rien de se battre. Allez, poussez-vous, je vais me barrer là-bas. S'il vous plaît. Ça sert à rien de me battre. Allez, où? Allez, y'a rien à voir. Notre chien, hein, sont à nous. Ouais. Hop. Bah, j'aimerais bien là, te raconter des histoires, mais je suis un peu occupé. Tout petit peu. Ah oui, bah c'est un random, lui. Très bien. Non mais à chaque fois, en fait, comme c'est un ennemi comme ça, je me dis que c'est pas un random, mais en fait si, c'est un random. Non. C'est typiquement ce que je veux pas. Poussez-vous. Explique-lui le nom Hidden Gem. Ah bah ça va. Ça y est, en fait, t'es pas sympa. Hein. Hop, juste pas sympa. Trop bien. Le pire. Non! Au secours! Sortez-moi de là!
Je veux juste me soigner. Oh là là, il y a un ennemi devant. C'est pas moi. C'est pas moi. Expliquez à moi, Hidden Gem, oui. Non mais pas ça, pas ça, ça c'est trop private joke ça. Je veux utiliser un livre de soins. J'ai un livre de soins que je peux utiliser. Ah, on peut pas s'enfuir. Oh. Allez. Je respire. Objet. Mon livre de soins, voilà. Voilà, maintenant laisse-moi partir. C'est quoi le souci? Mais y en a pas? Ah, on peut pas s'enfuir. En fait, y a jamais eu de problème. Là, c'est juste que Guilla, il essaye de... Il essaye de te... De se moquer, là. Multi-Zephyr 2? Ah bah non. Oui. Alors, non. Je peux pas, là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Faut que je coupe le son? Oui, alors, j'aimerais vraiment... Non, mais là, en fait... Non, mais là, le problème, c'est pas tout... Le problème, c'est juste que je suis un peu bloqué. Non, mais non, appuie pas là. Enfin, si, vas-y, appuie là. Ici, non, ici. Elle voulait me dire quelque chose et elle pouvait pas vous le dire. Épée sombre, 55. C'est quoi le secret? Ah, si tu savais. On a tellement de secrets. Bon, j'ai utilisé toutes mes potions. Et je veux trouver juste le méchant que je ne trouve pas. Rien à voir avec Pac. Des secrets inavouables. Mais c'est une histoire pas folle en plus. C'est ça le truc. Zone de retour. Le bracelet épée commence à luire. Ah, on peut revenir maintenant. Ah. Mais je comprends pas. J'ai pas tué le méchant là. Pour sauver le fils d'un homme riche, il est détenu par les Morzars dans la tour lunaire. Bah, mytho, j'y suis allé, la tour lunaire, il n'y avait pas. Non, mais l'histoire de la rame, c'est simple. Allez, vas-y, je lui explique, ça y est. De toute façon, on lui en a tellement parlé qu'il faut lui expliquer. Alors, il était une fois... Il était une fois Frozen Teach, ici présent sur ce stream. Enfin, sur ce chat. Il a souhaité monter un ordinateur avec ses propres petits... Enfin non, il a souhaité acheter un ordinateur. Donc, sachant... Enfin oui, là, c'est bon, point. Nouvelle phrase. Cependant, il n'a pas souhaité monter lui-même l'ordinateur. Voilà. Du coup, il est allé sur un site marchand... comme c'était quoi, je sais plus, ce site matériel.net qui pouvait lui monter, qui lui ont monté plutôt son PC pour lui. Voilà. Jusqu'à là, pas de problème.
et il a sélectionné lui-même les pièces. Il nous en a pas parlé parce que c'est un grand garçon. Il le fait lui-même et pas de problème. Cependant, quand l'ordinateur est arrivé chez lui, je lui ai posé la question comme ça, innocemment. Tiens, tu as pris quoi comme configuration pour ton ordinateur? Et là, il m'a décrit les pièces et j'ai été extrêmement surpris car dans ces pièces, il y avait un. Il a demandé une seule barrette de RAM. Et donc, il avait une barrette de RAM de 16 gigaoctets dans son PC. Voilà, jusqu'à là, tout va bien, son PC fonctionne. Rien de bien fou. C'était une 32, ouais, c'était une 32, ça fonctionne. De 32 gigas. J'ai oublié ça, putain. Et choqué, enfin un peu surpris plutôt, parce qu'on va pas dire choqué quand même. Surpris parce qu'il nous dit, je dis, mais attends, Frozen. C'est bizarre parce que une barrette de RAM, c'est pas très opti. C'est pas que ça va par deux, c'est on conseille souvent que ça aille par deux pour avoir des performances optimales. Alors je vais pas les termes techniques et en plus je m'y connais pas tant que ça. Tout ce que je sais, c'est que c'est mieux d'avoir deux barrettes de 16 gigas qu'une barrette de 32. Deux barrettes de 8 qu'une barrette de 16. Voilà. C'est pas obligatoire, mais. C'est plus optimal. Mais ce n'est pas obligatoire. Attention, il n'y a aucune obligation. Voilà. Un. Enfin, on a dit ça. Il nous a cru. Si ça se trouve, on va apprendre. Si ça se trouve, Abanette va nous dire que finalement, ça ne savait pas à grand-chose. Mais enfin. Jusqu'à là, tu nous suis. Donc, on lui a dit, renvoie la barrette de RAM de 32 gigas et achète deux barrettes de 16 ou deux barrettes de 8 parce que ça sera mieux, tu auras des meilleures performances, sachant en plus qu'il veut jouer que c'est un ordi aussi pour jouer, ça me semblait pas déconnant et surtout que je me suis dit que la barrette de RAM de 32 gigas devait coûter moins cher que deux barrettes de 16 voire deux barrettes de 8. Voilà. Donc moi, je pensais ce qu'il allait faire, c'est que il allait en renvoyer la barrette de 32, attendre qu'on lui rembourse et acheter les deux autres barrettes de RAM. Cependant, ce qu'il nous a pas dit, le petit malinois, c'est que il a acheté deux barrettes de 16 gigas avant même qu'on lui rembourse celle de 32. Dans l'idée, pas trop de problème. Il est impatient, soit. Ça m'arrive, ça arrive à tout le monde. Cependant, il a reçu ses barrettes de 16, il a installé ses barrettes de 16. Alors, bon, en plus, c'est 32 gigas, je trouve ça un peu overkill. Mais enfin, soit. C'est pas trop grave. Même si ça aurait été plus logique de barrettes de 8, mais enfin... Soit, avançons. Il renvoie sa barrette de 32 gigas, parce que ça y est, elle doit partir. Elle arrive à matériel.net, et matériel.net lui envoie un petit message, et lui disent, écoute, la barrette de 32 gigas est endommagée. Écoutez, votre barrette de 32 gigas est endommagée, nous ne pouvons pas la reprendre. On va vous la renvoyer. Alors ils n'ont pas dit chez, mais bon, un peu. Voilà. Alors moi, très surpris, je dis ah bon, mais comme ça endommagé, une barrette de RAM endommagée, faut en vouloir. Il l'a pas cassé en deux. Et en fait non, il y a une résistance en céramique, c'est ça, qui malheureusement s'est détachée et. Et comme elle s'est détachée, ils l'ont vue et est-ce que c'est pendant l'expédition, à la réception, on sait pas trop. Et comme on sait pas, on sait pas. Là, bien embêté parce que moi ça m'est jamais arrivé et j'ai jamais entendu parler de ça, mais bon enfin, soit. On lui dit, écoute, combien coûte ta barrette de RAM de 32 gigas ?
plusieurs centaines d'euros. Voilà, on va pas dire exactement le prix exact. Enfin, on n'est pas... Voilà, hein. Plusieurs centaines d'euros. Donc je lui dis, bah écoute, est-ce que tu te sens capable d'acheter une petite résistance et de souder le petit composant? Mais vraiment, quand je te dis que c'est un petit composant, je pense que le composant, il doit faire en longueur, je pense qu'il doit faire 1 mm. Peut-être 2 mm grand max. 1 à 2 mm. Je voulais vérifier pour être sûr. Lui, il nous fait comprendre, Frozen, qu'il est pas capable. Donc, moi et Axeran, parce que il est dans la sauce et parce que c'est un peu notre faute, finalement, on lui dit, écoute, envoie-moi ou envoie-nous cette barrette, on va s'en occuper. Voilà. Et là, tu vas me dire, ah ben, elle est où la suite de l'histoire? Bah, ça s'arrête là. Parce que, il a pas voulu. Il a pas continué, quoi. Donc, on en est là. Bah, oui, quoi, ouais. Voilà. Ouais, donc, nous aussi, on s'est dit quoi, ouais. Ah ouais, mais moi aussi on a dit mais ouais. La fin nulle. Bah je l'ai hypé pour rien, oui. Elle est bien dans sa pochette à bulles, voilà. Mais en plus, je suis en train de me dire... Tiens, je suis en train de me dire un truc. Albanette, est-ce que tu serais capable de faire cette réparation, toi? Parce que mine de rien, tu travailles dans ce domaine-là. Peut-être que tu es capable. Peut-être que non, hein. Je ne sais pas. Non, tu n'es pas capable. D'accord. Je soude comme un manche. D'accord. Pas de problème. Pas de soucis. Je me suis renversé la sauce de déception. Bah ouais, je... Sans être capable, c'est plus rentable de la faire réparer que de la revendre. Bien sûr. Bien entendu. Donc, marqué sur un bout de papier là. Hop. Mais en fait, si vous voulez, là, Frozen, il est dans un état. Il est comme les lapins, là. Comme les lapins allumés par les phares de voiture sur la route. Et il bouge plus. Et on le regarde, on lui dit, mais fais quelque chose! Et lui, il est. Voilà. Donc, Voilà. Je suis embêté parce que en fait ce qu'il faut faire c'est le prix de la rame ça fait quand même cher. Mais c'est exactement ce qu'on lui a dit. C'est exactement ce qu'on lui a dit. Surtout qu'il ne roule pas sur l'or. Il n'a pas de château. Oui. Je sais, c'est surprenant, mais il n'a pas de château. Contrairement à Nymelia, bien sûr, qui vit dans un château. Hop.
Moi, j'en veux bien. Donc, boucle. Collier. Bracelet. Ouais, je fais du menuing parce qu'il n'y en avait pas assez. Enfin, assez. Anneau. Armure. Enfin, en fait, tout. Armure, jambière, tout. 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 Un château rempli de PS5, bien sûr. Mais qui sait, si tu veux lui dire gentiment pour qu'il t'écoute, qui sait, hein, peut-être va t'écouter. Hein. J'en prends note, tu passeras prendre rendez-vous avec mon secrétaire. Bien sûr. Avec son secrétaire. Ouais, parce que du coup, vu qu'il est pété de thunes. On vous l'a dit. Il est pété de thunes. Mais bon, voilà. Donc, j'ai pas abandonné hein, le fait de peut-être l'aider un jour. Après, malheureusement, je suis un peu bloqué parce qu'il faudrait que j'aille chez lui pour lui. Bah, pour lui subtiliser. Subtiliser la rame, quoi. Trois trucs encore, je vais pas pouvoir les acheter les trois. Oh, je vais avoir envie de canner. Oh, je vais avoir envie de canner, je pense. L'envie de canner qui arrive dans 2 secondes. Oh oui. L'envie de canner qui tape à ma porte. Il me manque 3000. Aïe, 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 aïe. Il me manque 3000. Il me manque de l'argent. Pas de jambière. Jambes nues. Bah après c'est RP hein. Elle a des jambes pas très protégées. Stream soudure. T'anime à ta porte. Ah non, si Nîmes était à la porte là, elle aurait déjà tapé la porte, rentré, et elle aurait déjà tout pété hein. Bah, il nous faut du pognon. C'est dommage. Il faut que j'en des trucs là. C'est qui la lentille? C'est Kiki? C'est Kiki la lentille? La lentille c'est Kiki? Parce que la lentille va nous donner du pognon. Artisanat, non. Souvenir, non. Matériaux, oui. Jade, Ward. C'est qui Ward? C'est qui? Il faut Ward. Santos, Marc, Barretas, ouais, ouais. Ward, Ward, Zaji, Regina, Jimmy, bien sûr. Ken, oui. Ward, Matma, ouais. Alors qu'est-ce qu'il avait lui à dire, non? Bien joué, j'ai encore des fournitures livrées, voulez-vous? Oui, bien sûr. Voilà, c'est l'esprit. Nous fournissons des villes chez un village de Rem et port de Damrune. Je veux bien aller au village de Rem.
J'avais traversé le désert de Galema et trouvé... Oui, bien sûr. Bien sûr. Je compte sur vous. Oh là là, c'est très gentil. Ouais. Et ma batterie, et la batterie de la PSP qui tient vachement bien. Tellement content d'avoir acheté cette batterie. Tellement content. Mais vous vous rendez compte pour cette histoire de RAM? Imaginez. Imaginez un monde parfait. Imaginez. Imaginez. Notre cher Frozen qui cherche mon adresse et qui me l'envoie. Imaginez. Juste imagine. Ce serait fou, hein. Ah, Ward, il est là! T'as une adresse? Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Alors, objet. Lentille. Attendez, à ce propos, j'ai oublié un détail important. C'est courant avec les vieux outils comme ça, mais il semble qu'une malédiction a été placée sur... Ah, non. Sauf à l'ôter, impossible de bien l'utiliser. Je vous en prie, veuillez ôter la malédiction. L'oasis... Oh là là! L'eau en a besoin... Oh là là! Oh là 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 là, faut faire un aller-retour. Oh là là, j'insulte tes darons. J'insulte tes descendants. 12 rue de Twitch. Quel petit flibustier. Aïe, 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 aïe. On va go chercher du pognon. Allez. On va aller taper le serpent, là. On va lui mettre des patates, là, au serpent, là. Vraiment, on est trop fort pour le serpent là. On est vraiment beaucoup trop fort pour le serpent. Donc là, c'est farm gratos. Vraiment. J'ai bien dit normalement. Oh, ok. Le serpent là, je vais. Pouah, le pauvre. 1000, allez. Encore un serpent et on est bien. Mais oui, en plus, tu dois aller à la librairie. Non, mais Axeran, il est tellement lucide. J'en ai connu des gens lucides, hein, mais là. Là, c'est assez fou ce qu'il vient de dire là. Ah bah c'est notre papa, il est moins âgé que tout le monde ici, mais c'est notre papa. Ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud. Très très chaud. Feel my wrath. Mais sapin répare, il me la renvoie, j'aurai la flemme. Ah non, 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 mais moi je la répare, je la vends. Je la vends. Et après, bien sûr, bah, je t'envoie du pognon, bien sûr. Bien sûr. Enfin, je t'envoie le pognon, je te rembourse les frais d'envoi, quoi. Bien sûr. C'est la moindre des choses.
Comment ça, ça change les choses? Je vais lui casser sa gueule. Je vais tout casser. Actuellement, je vais tout casser. Globalement, ouais, on va tout casser. C'est pas possible. Là, il fait genre qu'il a pas compris. Là, il fait genre qu'il a jamais rien entendu de tout ça, qu'on lui a jamais dit ça, alors que je sais même pas combien de fois j'ai essayé de lui expliquer. J'ai l'impression de voir LVV, là. Ça y est. J'ai le Vietnam de LVV, là. Ah, c'est 6400. Mais y a pas un truc à 100, là, que je peux vendre? Un sort de soin, allez hop. Ah, je crois que je peux toujours pas l'acheter là. Ah si, c'est bon. Bah voilà. Ah mais en plus c'est nous. Ah bah nous, c'est nous. On n'est pas clair. Axeran, on n'est pas clair. Oh mais oui, on n'est pas clair. Ah. Bah oui. Oui. Identité d'LVV pas cachée longtemps. De comment ça? Mais on a... Hein? Ah, mais tu parles de Monsieur Bip? Comment ça? Mais j'ai rien dit, moi, LVV. J'ai dit j'ai des viewers. Ah, hein. Ah, j'ai pas dit que c'était LVV, hein. Attention, hein. Pas du tout. Oui, en plus, toi, tu lui as dit que tu lui achetais. C'est encore pire. Lui, t'as proposé du pognon. C'est encore pire. Tu viens juste de le dire. Ah bon? Oui, mais j'ai parlé d'LVV, j'ai pas parlé de Bip. J'ai juste dit LVV. Non, si, j'ai parlé de Bip. On peut pas avoir parlé de Bip. Là, vous essayez de me faire porter le chapeau, là. C'est petit, là. Alors, on va essayer quand même voir faire trois transformations pour voir ce qu'on peut faire. Je vais juste essayer. Ah, ça y est, il recommence avec l'emote interdit. Interdite, là. Ça y est, Frozen, il pète un câble. C'est terminé. Il te déprime, cet enfant. Aïe, aïe, aïe. Allez! Alors, est-ce qu'on peut faire des dégâts? Est-ce que... Oh, mais totalement! Fais une formation sur le twerk, ouais. Ah, Frozen secoue ce popotin. Comment ça? Ah mais, non mais, pourquoi? Non mais, attendez, je comprends plus rien là. Il se passe des choses, je... Allô? Je terraforme le fond du gouffre. Ouais! Feel my wrath! Oh ouais, se fait détruire. Thank you.
Ah là là. Oh, 1800. Bah attendez, je crois qu'on a trouvé un spot de farm là. Totalement trouvé un spot de farm là. Parce que 1800 plus 3000 pognons. J'ai un tatou au bras. Ah bon? Mais non, c'est parce que. Mais non, c'est parce que je suis sale. Et avec ma crasse, j'ai dessiné un dessin. Une tache de naissance. Ouais. Quoi? Ouais. C'est une tache de naissance. Hein? Bon, mon tatouage. Trop petit. Trop petit. Tiens, bah fais coucou maintenant. Célia? Ah oui, mais je pensais que t'allais faire coucou, dis coucou. Fais coucou. Viens manger? Ah ouais. Bah écoute, je fais un combat, j'arrive. Je suis là. Hein. Ah, au secours. Coucou. Tu te rappelles, hein? Attends, vu que t'as l'air d'avoir oublié des choses, tu te rappelles pour demain? Ah, tu te rappelles pas? 11h30. Tu viens avec moi? Non, tu peux me dire non. Hein. Bien, yes. Elle a les cheveux bicolores. Oui, elle s'est fait de la... elle s'est fait une couleur. Enfin, il y a un petit moment maintenant. Bientôt, ça va être quoi? Rose? Quoi? Comment ça va être rose? Hein? Mais pourquoi? T'as envie? D'accord. C'est bien de me l'annoncer là, comme ça, pile en live, comme ça, je peux rien dire. Yes. Bah, je veux dire quoi? Non, bah, rien. Comme si c'était pas la première fois. En fait, on adopte un enfant. Oh, c'est joli. Le pire, c'est qu'elle a déjà fait exactement la même chose. Exactement de la même manière. Et quand je lui ai dit, elle fait oh, mais non, j'ai pas fait ça moi. Non. T'as mal compris. T'as mal compris. Ah, il a pire. C'est pour ça que c'est la veste. Un chouïa la musique du jeu? Ah ouais? Ah mince. Ouais, en fait la musique, il y a des certaines parties de la musique de Win qui est, sont très forts. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Bon là, il y a pas de musique mais... bon, elle s'excite un peu, ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors juste avant de partir, je vais vous montrer un petit truc. Alors pourquoi j'ai pas quitté le stream avant, c'est parce que je pourrais vous raconter pourquoi j'ai pas arrêté le stream avant, mais ce serait dommage quand même de taper sur Célia, gratuitement comme ça. Avec le compresseur, j'avoue, on entend bien la zik. Oui, mais ça c'est normal. Enfin, quoique là, le compresseur, normalement, il touche pas...
Il faut que ma voix arrive assez haut pour que le compresseur s'active. Et là, il n'est pas actif. Ah, le tien. Pardon. On sauvegarde. Oui, non, mais oui. Donc, on est à 24 heures de jeu, niveau 43. Les niveaux augmentent, ça augmente vite. Là, ça augmente assez vite. Hop. Donc, juste, je vous fais voir un truc. Je vous avais dit que j'avais sélectionné des jeux PSP à faire pour Console Mania. Et là, je suis en train de tester maintenant, parce qu'il faut absolument tester. Et là, vous allez me dire, bah dis donc, montre. Bah attends, je vais te montrer. Voilà, j'ai pris quelques jeux. J'en ai pris quelques-uns. Donc il y en a quelques-uns. Genre, quelques-uns. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Voilà. 19 jeux à tester pour voir s'ils pourraient être intéressants pour Console Mania PSP, bien entendu. Sachant que j'ai peut-être une annonce. Oh là 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 là! Une annonce exceptionnelle. J'ai bien dit peut-être. Je suis actuellement en discussion, parce que je suis en discussion, afin de récupérer une 3DS capture pour un prix défiant toute concurrence. Hein. Mais quand je vous dis défiant toute concurrence, je vous donne même pas le prix tellement que je trouve qu'il est honnête. On sait jamais que si je vous donne le prix, vous serez capable de courir pour aller l'acheter. Donc il se pourrait qu'on puisse refaire de la DS et de la 3DS. Mais, de toute façon, si le prix me convient, je ne l'achèterai pas maintenant, tout simplement parce que ça coûte de l'argent, et bah là, pour l'instant, l'argent... J'ai pas prévu d'acheter des trucs. On économise. C'est l'hiver, il faut économiser. Enfin, c'est bientôt l'hiver. Enfin, pas du tout. C'est bientôt l'automne, faut économiser. Ouais, bien sûr, c'est ça. C'est ça. Exactement. Voilà. De toute façon, t'as la pocket, exactement. Jamais joué à FF. À peine testé FF14. Oui, ce qui est un FF quand même très différent des Final Fantasy, des autres Final Fantasy. Tu en conviendras. Bref. Voilà. Nous, on va se laisser là. Et je vais vous envoyer chez notre cher John. Ça fait longtemps que j'ai pas arrêté John. Et il est trop pipou et il est trop gentil. Et moi, ça m'embête. Et ça m'énerve énormément. Donc, je vais vous envoyer chez lui. Et voilà, comme ça au moins... comme ça, j'envoie mes problèmes chez lui. Parce qu'il est trop pipou. Oui, ça vous change parce que Nymelia, elle est pas pipou du tout. Ah là là, voilà. Ah, m'énerve. Non, mais j'en étais sûr. C'était sûr. C'était tellement sûr qu'elle allait tenter ce coup-là, là. C'était sûr. Bref. Et bien du coup, nous on se dit à ce soir pour la suite de notre cher Blade Dancer. Je vous dis bon après-midi. Si on se revoit pas ce soir, sachez que je ne stream pas demain matin car je suis au dentiste afin de me faire charcuter. Donc si on se voit pas demain matin, on se voit samedi matin pour la suite de Tortue Ninja. Et sinon on se voit ce soir. Voilà. Donc là, chez John. Et il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Vous faites ce que vous souhaitez. Des bisous, envie de canner, ouais. Des bisous à ce soir. Ah non, par là, oui, là. Des bisous.